Bonjour YouTube. Dernier épisode normalement de ce let's play. On va du coup reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois, donc juste avant une cinématique qui visiblement voulait se lancer. Je sais pas ce qu'il y a dedans, hein. Mais on y va. Je savais pas qu'il y avait tant que ça en post-endgame. J'ai rien fait après l'histoire, moi, quel enfer. Ah, eh bien, tu vas tous les courir avec moi. Comme YouTube. Hop. Décalage avec le son. Bouge pas YouTube, je règle ça tout de suite pour toi. Ah mais en fait... Et du coup il avait pas vu mon nom de ce que j'ai. Je pensais que c'était une vraie cinématique moi. Putain je me suis fait avoir. C'est quoi cette carte? Ah bah c'est la carte de ici. C'est ma chambre ça? Ah oui je l'ai vu une fois. Oh putain. Oh on m'a mis tromblon. Ah, bravo pour ton titre de maître. Je suis venu te remettre un petit cadeau pour te féliciter. Ah, merci mamie. La Master Ball. Trop sympa. Professeur Magnolia, c'est gentil à vous d'avoir fait le déplacement. C'est bien la moindre des choses après tout ce qu'a fait Holo pour nous. Quand je dis que les étoiles veulent que nous utilisions pour dynamaxer les Pokémon étaient en fait des morceaux du corps de Eternatus, je comprends mieux pourquoi l'énergie du Dynamax s'est déversée sur la région quand Eternatus s'est réveillé. Mais si Holo et ses amis n'avaient pas été là, les Pokémon Dynamax auraient plongé Galar dans le chaos. Cela étant dit, le Dynamax fait partie intégrante de la culture de Galar. Il est à espérer que tout un chacun utilise ce pouvoir à bon escient. Sur ce, je te laisse, Holo. Suis le chemin que t'indique ton cœur. Cette chère professeur Magnolia a tant étudié le Dynamax, maintenant que les actions du président de la Ligue la troublent autant. Merci, maman. Merci pour ce... Voilà, waouh. Waouh. Sans toi, là, je pense, j'aurais pas compris. Belle botte, en tout cas. Ça a toujours pas changé depuis le début de l'aventure. Je vais te filer un peu de thunes, tu vas aller t'acheter des bottes. D'accord? J'en ai vu quelques-unes en ville, bon, voilà, fais-toi plaisir. Donc, je t'ai gouré sur mamie. Ah non, mais moi, je suis tellement deg. J'allais le dire, justement. J'ai tellement espéré que mamie soit démoniaque. Que ce soit elle, la vraie méchante du jeu, ça aurait été trop bien. Terrible. Mais j'avais raison sur le fait que son assistante allait devenir professeur à sa place. À sa place. Voilà. Mais pas dingue. J'ai pas été Nostradamus à ce point-là. Yes. Donc. Bah, du coup, on va aller là-bas. Hein. On a vu le tout petit bout de cinématique qui nous disait de revenir ici. Donc, on va aller voir de quoi ça s'agit. Donc, j'imagine qu'il faut retourner tout au bout. Encore une fois. Chassez-vous! On va encore une fois rien capturer, le principe là c'est d'aller le plus vite possible dans le post-endgame. Ouais super. Imaginez il était shiny. J'aurais été un génie incontesté. Mais il l'est pas. Donc je suis déçu. Je suis totalement déçu en fait. Non. Non, on m'a tabassé le pauvre. J'ai rien demandé. J'ai rien demandé. Vélo de mort là. Au secours. C'est par là? Oui c'est par là. Vite! Il n'a peur de rien, c'est un... Un galarien. C'est par là, je crois. Oh, si je me suis souvenu de la route, je suis un monstre. Oh là là, les esquives. Non, c'est pas par là. Ah c'est là. Là. Et là. Ok, nice. On descend ton vélo, quand même. C'est de manière solennelle. Ok, screen. Pas choix. Bah Holo, qu'est-ce que tu fabriques ici? Bah et toi alors? J'aime bien venir ici, c'est calme, y a jamais personne vu que c'était là que Zacian et Zabazenta dormaient. Ça me plaît, je peux cogiter en paix. Tu dis que t'as eu l'impression de quelque chose de te guider ici? C'est assez ouf. Au fait, j'ai toujours pas eu l'occasion de te féliciter, bravo ta victoire. Mon frangin est resté à ma vue super longtemps. J'imaginais pas que ce serait toi qui mettrais un terme à cette carrière de maître de galère. J'ai encore du mal à réaliser. Oh, t'as trop la classe! Ouais, bof, enfin, pas dégueulasse. Non, parce qu'on faut le dire, les vêtements, c'est le truc du début, j'ai jamais trouvé mieux, c'est un enfer.
La coiffure, c'est dégueulasse, y a rien qui va. Ça aussi, j'ai du mal à réaliser, genre à quel point t'as la classe. Ouais, ouais, je... Ouais. Au fait, ça te dirait un petit combat, rien que toi et moi, comme avant? Bah, ok. Ah merci, c'est cool de ta part. Allez, montre-moi la toute puissance du maître qui a réussi à détrôner mon frangin. Fais-moi signe quand c'est bon pour toi. Alors, je viens de penser à un truc. Alors, ça tombe bien qu'il me laisse le temps de second. Je suis jamais allé voir Eternatus. Jamais. Nature, vas-y. Nature neutre. Oh là là, nature neutre. Oh. Mmh. Donc, poison dragon. Niveau stat. Ma foi, c'est plutôt correct. Niveau 60, je suis plutôt pas mal. Beaucoup de PV. Hein. Beaucoup de PV, hein. Bordel. Poison croix, draco choc, lance-flamme, canon dynamax. Donc, une attaque qui fait 100 de puissance pour 100 de précision, qui attaque spé. Lanceur attaque en émettant un laser depuis son noyau. Ses capacités infligent deux fois plus de dégâts si l'adversaire est un Pokémon Dynamax. D'accord. Ok. Pour moi, on a vu. Est-ce que je vais dans mon équipe? Peut-être pas quand même. À la place de sort Bouboule, tiens, on peut mettre qui? Là qu'on en est là, je veux dire, rapidement. Qui on peut mettre à la place? On avait dit Crokin, non? Crokin, on avait dit que ça allait vite. Allez. Ça me fait plaisir. Yes, la sauvegarde. Et let's go. Let's go, let's go. Vas-y, NBL, lance le combat. Trop vénère, Nabil. Trop vénère. C'est quoi son lead? Moumouflon. Yes. C'est quoi mon lead? Je sais plus. Salut, Lonas. Salut, Okami. Heureux. 200 de puissance si le Poké est Dynamax. C'est OP contre les raids, non? Ah ouais, contre les raids, oui, ça peut être pas mal. Après, est-ce que c'est OP, je sais pas, faut voir ce que ça check, mais pourquoi pas. Fouet de feu, ça devrait l'atomiser, je pense. Voilà, avec la boule de poil. Mais du coup, dites-moi hein, si c'est vraiment OP pour les raids, go le prendre quoi, mais... En vrai, ça serait logique que ce soit OP. Mais bon, Corvallus, bah on va rester en vrai. Hein. On va rester. Donc on va juste niveau 59, c'est bien ça. Je vais prendre un rapace là, je vais rien comprendre. J'ai l'outspeed, non? Ouais. Ça fait comment pour avoir accès à la boîte comme ça? Tu vas dans ton équipe, t'appuies sur R. Il faut être avancé un peu dans le jeu pour le faire. Parmi les types acier et fait, ça va être OP, je pense. Je sais pas. Est-ce que des gens ont déjà essayé ou pas du tout en fait? Ça la vraie question. Nigosier, oui, là on va switch. J'ai toujours rien contre les Pokémon Vol ni les Pokémon O. C'est toujours. Un peu chiant. J'ai l'impression que la musique elle craque un peu dans le fond, c'est bizarre. Bon, Goliath il va le déboîter, je pense. J'ai fini post-endgame, nice! Ça t'a pris combien de temps en gros, tu sais? Moi j'estime ça à 2 heures, mais en vrai j'en sais trop rien. On va choc émotionnel, hein, ça va le déboîter, je pense. Aile d'acier, ah ok. Ok, 2 heures ça prend environ, ok. Je vais essayer de tout faire en une seule VOD, même si elle est très longue. Je pense, parce que j'ai pas envie que ça prenne 15 ans, enfin je sais pas. Après on verra, si genre je vois que je suis à la moitié, à 1h15, 1h30, bon on fera de BOD quoi. What a pic juste électrique vous m'avez dit. What a pic juste électrique, je vais rester, j'ai eu Roscur, ça suffira. C'est plutôt OP mais je préfère mes Corvallus, Pop Illusion, Gigamax et Montracide Dynamax. Oui je comprends. Je comprends. En rushant comme un sale et au niveau de ton équipe 1h30, ok. Oui, de toute façon, je vais avancer, enfin, je vais quand même lire le lore et tout, mais je veux dire, là, on va plus se faire freiner par les Pokémon que je veux capturer, quoi. Ça a peut-être été un petit peu le souci de mon let's play, c'est que j'ai voulu capturer tous les Pokémon que je croisais, que je ne connaissais pas, ou que je n'avais pas. J'aurais peut-être dû juste passer pour que ça aille plus vite, mais bon, je voulais quand même compléter mon deck en même temps, quoi. J'allais pas couper à chaque fois que je commençais une session de capture. Augmente la défense spéciale d'un allié. Bon, c'est une nouvelle attaque, mais c'est bien nul. Brume capiteuse. Ronflex, on va rester, j'ai toujours une attaque combat sur ce Pokémon. Après on sait qu'il attaque le lourd. Bah, je risque de prendre cher en vrai. Bon je vais l'outspeed donc je vais être full life mais je vais prendre cher. Je vais prendre archi cher sur le tacle lourd. Mais niveau 65 c'est suffisant pour ce que j'ai à faire là ou est-ce que je me mets quelques bonbons sur l'équipe? Ouais j'ai pris 60%. 30 points, on va récupérer les PV. Café. Oh là, le café qui va faire du bien. Hop.
temps, c'est cool, ça fait découvrir la région et les nouveaux Poké avec toi. C'est mille fois mieux que si t'avais rushé le jeu. Oui, je pense. En vrai, je pense aussi. J'espère que le let's play sera pas imbuvable, mais je pense pas. Pyrobut, Desargus. Sophie 65, je l'ai fait avec mon plus haut niveau 67. Ok. Oui, bah c'est surtout que mes autres Pokémon sont 60, 72 et quelques, quoi. Donc bon. En vrai. On va dire que 65 c'est le plus bas, quoi. Et que je me bats avec 5 Pokémon. Et que j'ai les Argus. Qui est tout pourri. S'il y a un regret que j'ai, ça j'en ai parlé vite fait pendant l'épisode, mais je leur dis là que c'est la fin. S'il y a un regret que j'ai, enfin que je trouve dommage en fait par rapport au jeu, c'est que les starters n'aient pas de Gigamax. Et ça j'ai du mal à comprendre en fait. J'ai du mal à comprendre comment ils aient pas pu se dire, bon, si les starters ils ont une Gigamax, genre obligatoire en fait. Genre je sais pas, que les starters, qu'il y a un élément de lore qui fasse qu'à un moment donné les starters ils se disent, ah putain, enfin qu'il y a un truc qui déclenche la Gigamax chez eux. Admettons hein. Bah je sais pas, ça aurait donné envie en fait d'utiliser ces starters dans les combats et machin, que là ils ont même pas ça en fait, donc c'est dommage. C'est dommage. Enfin je trouvais ça dommage perso, après je sais pas vous mais Ah bah Croquis évolue, super. Et il évolue comment Suicrane? Je me souviens même plus. Moi je joue à Pokémon de temps en temps, hein, vous savez, je connais pas trop le jeu. Hein. Après Suicrane on peut les capturer direct, donc en vrai je vais peut-être pas me faire chier à faire évoluer. Niveau 38 je crois Suicrane. Ah mais faut pas qu'elle connaisse une attaque en particulier. C'est pas un truc comme ça. En apprenant écrasement, oui c'est ça. Faut qu'elle apprenne écrasement. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, je disais bien que j'avais zéro chance. Vu qu'on t'a aplati le frangin, le maître a vaincu, mais bon, j'aurais essayé. Ah non, mais vous réalisez le boucan que vous faites. Je savais que c'était vous à 100 mètres. Oh salut Sonia. Oh Loa, bravo pour ton titre de maître, t'en as tous bluffé. Ah, y'a de quoi. C'est pas la modestie qui t'étouffe, hein. Sonia, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ta grand-mère qui t'envoie en mission. Ah ouais, je t'ai pas dit Nabil, hein. Tu sais pas quoi, attends je vais te raconter, bouge pas. Je suis plus l'assistante de grand-mère en fait. Ouais, maintenant le professeur, c'est moi. Ah sérieux? Trop bien. Ouais, et c'est un peu grâce à vous tout ça. C'est en vous accompagnant au cours de vos aventures que j'ai eu envie de me plonger dans l'histoire de Galar. Et je dois dire que même les Pokémon me passaient encore plus qu'avant. D'ailleurs, cadeau, j'ai écrit un livre, attention, c'est Collector. J'ai fait une dédicace et tout quoi. Ouvrage publié par professeur Sonia, où elle compte à sa manière les nouvelles découvertes faites au sujet des légendes de Galar. Oh, je l'ai déjà, je fais la queue pour l'acheter le jour de sa sortie et tout. Ouais, comment t'es trop gentil, Nabil, quoi. Je lui casserai ton exemplaire à l'occasion. Hein. Bref, grand-mère m'a donné sa bénédiction, j'ai bouclé mon doctorat et publié ma thèse. Croyez-moi, vous n'avez pas fini d'entendre parler du professeur Sonia. Vous assurez trop tous les deux, je vous admire. Et toi, tu pues la merde. Bref, qu'est-ce que vous faites ici, les loulous? Bah... Ah, je savais, vous êtes revenus me promettre l'épée rouillée, le bouclier rouillé à leur place. Vous n'allez pas les garder sans 7 ans, si, hein? Ah, oui! Oui, exactement! C'est tout à fait pour ça qu'on est là, bien sûr! Ouais, vous aviez complètement oublié, avouez, quoi. Je crois que Zacian et Zamazenta apprécient. Oh non, en y réfléchissant, c'est peut-être ça l'impression que tu avais qu'on t'appelait ici. C'est peut-être eux. Remettons l'épée et le bouclier à leur place. On leur doit bien ça. Et qui sait, on les reverra peut-être un jour. Ouais, ouais. Non mais vas-y. Hein. Écoute ton cœur. Ouais. Remettons l'épée et le bouclier à leur place. On leur doit bien ça. Ah, oui. Zacian, Zamazenta. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. On vous rend vos reliques, pardon d'avoir un peu beaucoup traîné. Vous rendez l'épée rouillée et le bouclier rouillé ensemble. Merci Samsensei pour les 3 mois de sub, on continue le soutien. Merci encore pour tes streams de grande qualité, ce super Let's Play Shield, t'es le meilleur. Merci beaucoup Samsensei. Merci pour le message très très gentil. Quel amour, mettez-moi des cœurs dans le chat là pour Samsensei. Merci Samsensei, merci énormément. Ça c'est une bonne chose de faite. Allez viens Olo, on rentre ensemble. Tu viens avec nous Sonia?
Oh non, je vais rester encore un peu, je dois faire quelques relevés dans la forêt et... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Mon détecteur de source d'énergie s'affole. Eh bien, qu'avons-nous là? Que le peuple est brillant et peu raffiné? Salut Kiwi tout bleu, comment ça va? J'ajouterais même que c'est vraiment le comble de la vulgarité. Oh mais attendez, je vous reconnais. Vous êtes recherché. Non, il n'y a pas d'erreur. Vous êtes l'auteur de l'histoire de Galar. Sonia, c'est bien cela? Ah oui, vous connaissez mon livre? Si nous le connaissons, bien sûr, nous l'avons acheté et lu, de bout en bout. J'ajouterais même que nous l'avons lu et avons également publié notre avis en ligne. Ce torchon n'était qu'un tissu de mensonge. Nous lui avons mis 0 sur 5. Torchon! Un torchon, quoi! Je ne vous permets pas! D'abord, il n'y a aucun mensonge dans mon livre, déjà, hein? Non, ça va, les deux gros impolis, là, vous êtes qui, d'abord? Je me nomme Jean Fleuret. Et moi, Jean Targent. Du sang bleu coule dans nos veines. J'ajouterais même que nous sommes les plus célèbres représentants de la noblesse de Galar. Célèbre? J'ai jamais entendu parler de vous, les gars! Bah c'est quoi votre problème exactement? Oh, mais que vois-je? Sont-ce là les légendaires épées et boucliers? C'est bien possible, mon aîné. Mais si ce sont eux, ils sont dans un état lamentable. Oh, comme je répugne à les toucher à main nue. Oh, où sont les domestiques quand on a besoin d'eux? Oh. Ouais, mais ça va pas, reposez ça, on vient à peine de leur rendre. Silence, maintenant. Pourquoi donc nous priverions-nous de les ramasser? Ce n'est pas comme s'ils appartenaient à quelqu'un. Si vous en êtes fort, Marie, nous pouvons toujours nous battre pour savoir à qui revient la possession de ces reliques. Mais ça marche pas comme ça. Ils appartiennent à Zacian et Zamazenta. J'arrive plus à faire sa voix. Je vous trouve bien impertinent pour quelqu'un du bas peuple. Je crois que nous n'avons plus le choix. Il nous faut laver notre honneur en duel. J'ajouterais même que nous devons leur donner une leçon. Sachez que lorsque l'on nous cherche, on nous trouve. Normal, direz-vous. Nous sommes dans le beau teint mondain. Mais on est où là? Au zoo, au cirque, nous? Moi, Jean Targe, je serai votre adversaire. Waouh! Niveau tactique, je donne tout là, je suis désolé. Hein. Fou, c'est dur. Hein. C'est dur. Pas l'artichaut, très bien. Pas l'artichaut, monocombat. On se souvient. On se souvient. Salut Riox, comment tu vas? Salut, salut. Monocombat, et ben j'ai rien contre lui. Super. Et il est niveau 60. On va peut-être passer sur Corvallus du coup. En vrai, Ah, c'est parce que j'ai pas d'attaque super efficace. Sur rien, sinon ça aurait été le bon switch-in. Merci Sensei encore une fois pour le sub, hein. Merci beaucoup. Merci pour les cœurs qui ont été mis dans le chat. Yes. Yes. Salut Chromatique, joute Astral. J'ai mal. Pas mal l'animation. Ouh, ah oui, j'ai pris quasiment 50%. Yes. Salut Lilian, comment tu vas? Et on va Begbril. Ce qui devrait l'oxyre, je pense. Voilà. Ok, ta Cordine est toujours là. Hein. Cordine est toujours là. Faut que j'oublie de faire des screens. Clic, on va changer. On va passer sur Scolocendre. On va s'en occuper tranquillement. Salut, appelle-moi Zeus. Pas de Shiny dans l'aventure, non. Pas de Shiny dans l'aventure. Je n'ai pas été ce genre de chanceux là. Malheureusement. On va. Où est le feu? Meurs!
Ça va et toi? Ça roule, merci. Ça roule, ça roule. Toujours 340 subs à la chaîne, en tout cas, c'est beau. Hein. Ça se maintient. Pour l'instant. Archéodong, je reste. Quelqu'un sait où trouver Barpo? Apparemment, Barpo, il est chiant à trouver. Ce serait à 1%. Je ne sais même pas où. Il a l'air roulou à trouver. Yes. Tu vas reprendre quand le Shiny Hunting? Dans pas longtemps. Là, soit je commence ce soir vite fait, mais je doute. Soit on fait un petit peu de Shiny Hunting, de complétion du Dex. Et puis le jour suivant, pareil en fait. Et quand on aura le Dex, et ben on, c'est sûr, on fera du Shiny Hunting quoi. Alors, Hexadron, c'est ouais, c'est le combat. Hein. C'est la chenille type combat là. On y va. À côté de la maison de Magnolia, 1% en pêche. Ah ouais! 1% en pêche, non. C'est le seul moyen de l'avoir? Vraiment? Hexadron. Mais c'est pas son dernier Pokémon, si? Ah bah si. Ah bah en fait, si. Complètement. Au revoir. Merci de passer. T'as fait la vache Pokémon Go depuis le mois dernier. Je ne joue pas à Pokémon Go, Shadow. Mais les argots, faut tellement que je le tège. Je trouve un autre Pokémon haut. Hein. Ou un autre Pokémon qui complète mon équipe, quoi. Impossible. Mec, il se cache le visage. Yes. Vous avez récupéré le bouclier rouillé. À quel affront. Comment avez-vous osé vaincre ma ravissante équipe? Laissez-moi vous dire qu'elle a bien meilleur pedigree que la vôtre. Mais il semblerait que mon ennemi ait gagné lui, par contre. Pardon, Holo, j'ai perdu. Oh, eh bien, jeune paltoqué. On a la tête ailleurs. Il faut rester concentré en cours de combat. Mais, mon puiné, jeune homme, est-ce que ce ne serait pas celui qui a vaincu Eternatus? Mais en effet. Et comment avez-vous osé, Maro, nous brûler ainsi du privilège de ce gars-là, hein? D'ailleurs, d'après mes informations top secrètes, vous étiez présent lors de la destruction de la sublime fresque séculaire qui nous avait laissé nos ancêtres. Quelle honte! Quelle infamie! Souillez ainsi l'héritage culturel de notre famille! Fresque! De quoi est-ce que vous parlez? Ah, le coloriage horrible qui cachait les statues de Zamazenta et du reste, hein? Oh mais Holo n'a rien à voir avec ça! Opérons un repli stratégique et temporaire. Vous ne perdez rien pour attendre. Nous serons mieux préparés pour notre prochain combat. J'ajouterai même que nous viendrons munis d'une redoutable équipe. Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. La Team Rocket s'envole vers notre cible! Débile! Non! Ah franchement, quelle tête brûlée, hein. Toi, moi, j'ai plus de calme. Mais ça m'étonne de Nabir, qu'il perde face à un guignol pareil. Il avait pas l'air dans son achète pendant le combat. Il devait pas être très concentré. Hein. Je pense que c'est lié au fait que tu as battu son frère et que tu es passé maître. Il doit se sentir un peu perdu. Hein. Maintenant, il n'a plus d'objectif. Mais bon, l'urgence, pour l'instant, c'est les deux, là, le truc, là. Hein. Enfin, tu vois quoi. Je crois que j'ai une idée pour les retrouver, hein. Je vais aller tester ma théorie au labo de Brasswick, tu veux venir? Je vais venir dans ton labo, y'a pas de problème, Sonia. Ah cool, hein, j'y vais. Hein. On se retrouve au labo, ouais, allez. C'est bien. 23, quoi? 23 minutes déjà? Mais quel enfer! Mais YouTube, je suis tellement désolé! Je pourrais voler, mais oh là là. Vite! Vite! Roule! Cours, merci Quentin pour le follow, bienvenue! Bienvenue Quentin! Ha! Ha! Screen! Ha! Go! Ha! Tiens! Professeur Sonia, vous avez la visite! Oh salut à Holo! C'est qui quoi? T'es qui toi? C'est mon assistante. Et oui, hein, je suis super occupé en fait avec toutes mes recherches, donc j'ai besoin d'aide. Hein. J'ai récupéré toutes les étoiles vœux rassemblées par Chéroz, elles sont maintenant ici au labo. Hein. Et c'est mon assistante qui s'occupe de tout classer, elle est super efficace. Hein. Je suis bien content de pouvoir compter sur elle. Mais non, vous me flattez. Voici donc notre nouveau maître, Holo.
Enchanté, c'est un véritable honneur. Ah, viens voir, j'ai un truc à te montrer. Tu te souviens de mon détecteur de sources d'énergie pour repérer les coins à Dynamax? Eh ben c'est pas sorcier, il détecte les endroits où il y a de fortes concentrations de galarions. Mais tu sais quoi? Eh ben tout à l'heure, quand Jean Machin et Jean Truc étaient là, eh ben le détecteur, il s'est affolé. Et donc? Eh ben, tu peux les retrouver en les suivant à la trace grâce aux galarions. Et ouais. Leurs noms sont tellement absurdes, quoi. Je refuse de m'encombrer les armes avec ça, quoi. Ce sera les clowns et basta, quoi. Ouais, les clowns, ça c'est bien les clowns, ouais. Enfin, bref, j'ai placé des détecteurs de sources d'énergie un peu partout dans le galère. Et là, activation. Ouais. Merci Walmer Chahi 3 pour les 15 mois de sub. Merci beaucoup. Bah, du coup, il y a un truc à Brunswick, ouais, d'accord, mais c'est où? Enfin, je vais. Ok. Wow, je m'attendais pas à ça. Regarde ce pic. Ça vient du stade de Greenbury. J'ai pas dit Greenbury? Plus. Bon, tu me diras qui dit stade de Greenbury, qui dit Dynamax. Donc, c'est normal d'y trouver des galarions. Mais un pic de cette ampleur, quelque chose qui cloche. Est-ce que ce serait Thanatos? Non, tu l'as capturé. Ouais, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est forcément les deux clowns. Bref, je crois que c'est une mission pour le nouveau maître de gala. J'ai mis ta carte à jour pour que les pics de Galarion soient affichés. J'ai dit un œil. Merci. Merci beaucoup. Et bah c'est parti! On va les casser les culs. J'étais jamais allé là-haut d'ailleurs, on peut pas? On peut. On peut totalement. Et là il y a une CT que j'ai jamais vue et je vais être deg. Tout va bien. Salut Mimi, comment tu vas? Merci Walmer encore une fois pour le sub, l'euro sub, 15 mois. C'est beau. Sortons. Donc Brasswick. J'ai des screens ou pas? J'ai aucun screen de ce que j'ai fait à l'intérieur, mais c'est horrible en fait. Heureusement je pourrais prendre des screens si j'en ai besoin, mais quand même quoi, merde. En screen là quoi. Je suis vraiment le pire, hein. Ce soir j'oublie tout quoi. Je suis en post-endgame là, Mimi. Je commence le post-endgame. Du coup, il faut voler. Donc tout ça, je l'ai fait. Ok, faut que j'aille à Greenbury, c'est bien ça. Greenbury. Rendez-vous au stade de Greenbury. Greenbury. Parti. Moi, je traverse la chasse. Ah, et alors, ça donne quoi? Est-ce que tu t'en sors? Est-ce que c'est dégueulasse? Dis-nous. J'en tâche et j'en fleure. J'en tâche et j'en fleure, c'est mort. Ah non, c'est salaud. Oh putain, oh, je me souviens des voix. Oh là là, oui, c'est bon, ça revient. Les voix, c'est bon, ça revient. Tiens, t'es là, toi? Eh bien, le bonjour, maître. Merci d'avoir fait le déplacement. Eh ben là, se passe quoi ici? C'est le mec, genre, il passait de gamin à. Il gère tout, quoi. Ah ouais, t'es relax, toi, comme maître. C'est pas comme si c'était la panique ici. Ah, je t'explique, j'étais en plein match amical avec notre ami Peterson quand soudain un Pokémon Dynamax est apparu. Ne t'en fais pas, on a déjà lancé l'évacuation du public et du personnel. Suu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 u
J'en sais rien, mec. Tout ce que je peux te dire, c'est que Tarak n'hésiterait pas. Il soit déjà au combat. Ou pas, puis qu'il se serait perdu en route, mais bref. Ça ne fait aucun doute pour lui. Tu viens ? Ouais ! Bien, motivé. Sous ces dehors, un peu revêche, Peterson cache un cœur d'or. Ah, ses grands frères. Bien assez parlé, rejoignons-les. Très bien. Ah, très bien. Sucrène ou sucroquin ? Ah ah ! Faut un skin. Et on... Ok. Scolocendre. Attends, mais c'est un mauvais lead, c'est un enfer. Non, mais j'imagine qu'ils peuvent le déboîter eux-mêmes. Parce que en vrai, là, tu peux pas changer de Pokémon, d'accord ? Ah si, tu peux changer. Ok. Ok. Bon, du coup, mon lead était bon. Oui, mon lead était bon. Bah, je vais Dynamax. Est-ce que j'ai besoin de Dynamax ? Bon, on va dire que oui. L'Arbellion assuré de nature, c'est bien, oui. Bah oui, c'est pas optimal, mais oui, c'est ok. Mais c'est ce que j'ai, moi, sur le mien. Des bisous, Ananas. Des bisous. Et à demain, peut-être, pour le prochain stream. Demain, je pense que ce sera à 17h aussi, hein, je pense. Je vous tiens au courant. Je pense qu'on va faire une grosse journée demain. Après, on verra combien vous êtes, tout ça. Mais demain, je pense qu'on va faire une grosse journée. Mais les gars. Non, mais là, c'est fini. Voilà, c'est fini. Il a résisté ? Je crois qu'il a résisté. Je crois qu'il lui reste un PV. Quel enfer ! Bah ouais. Yes ! Salut Bawake ! Tu sais comment on amotisse pas ? Lac quoi déjà ? Vous l'avez dit tout à l'heure et j'ai oublié. Dans l'état sauvage, 1%, je crois. Comme ça. Je un rappel. Ok. Colemara. Non. Bon, les choses ont l'air de s'être calmées. Tiens, j'aime vraiment pas le Dynamax. Et c'est pas grâce à ce genre d'événement qui va te réconcilier avec, mon pauvre. Et tout de même, ça n'avait rien d'un Dynamax normal, vous ne trouvez pas? Ouais, y'avait pas le moindre dresseur au vu, Sucrène n'avait pas l'air de maître de ses actions. Ah, bien vu, Nabil. En effet, c'est normalement en réponse à un poignet Dynamax qu'un Pokémon se transforme. Là, il y avait comme des interférences au niveau de l'harmonie entre nous et nos Pokémon. Ça t'a fait cette impression aussi, Holo? Mais complètement. Donc on est tous d'accord. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de dresseur en vue, c'est bien mystérieux tout ça. Le personnel du stade va recueillir et soigner ce Pokémon, ne vous en faites pas. Merci à tous, vraiment vous étiez là. Et surtout, Holo, n'hésite pas si tu as besoin d'un coup de main, un tour. Si je peux faire quoi que ce soit pour toi, ce sera avec joie. Ah, merci beaucoup pour la carte rare de Ligue, vraiment, ça me touche beaucoup. Allez, viens, Sucrène, suis-moi. Oh mon dieu, c'est affreux. Eh bien, ça a déjà fini du Dynamax, ce fut bref. J'ajouterais même que ce fut succinct. Je crois que nous avons le maître à remercier pour cette interruption intempestive. Hé, hey, les deux molosses, je savais bien que vous étiez dans le courant. Rendez-nous les épées rouillées en vitesse. Pardon, mais cela ne vous appartient au point que je sache. Quand bien même serait-ce à vous, ne dit-on pas voler c'est voler, rendre c'est capituler. Hé, hey, vous commencez à me gonfler tous les deux, ramenez-vous qu'on s'explique. Bah, d'où ils sortent? Je croyais que les spectateurs et le personnel avaient été évacués. Comme si nous allions plier aux règles appliquées au commun des mortels. Eh oui, nous sommes des célébrités, nous avons droit au traitement VIP. C'est quoi leur délire? Mais qui êtes-vous, le gueux? Votre coupe de cheveux est un affront visuel. Oh, j'ajoute même, mon aîné, que ce noir et blanc, c'est extrêmement basique. Vous croyez vraiment que vous avez des leçons à donner en matière de style? Genre, je vais écouter, la baffe de l'Aristo n'atteint pas le noble dresseur loser. Waouh. Je crois que notre petite expérience a bien fonctionné, mon puni. J'ajouterais même que c'est un succès. Tentons avec un gamin plus fort la prochaine fois. Oui, et nous révélerons la véritable nature de Zacian et Zabazanta. Quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont à voir avec cette histoire? Oh, ils m'énervent, je pige rien! Maître Oni, nous allons libérer une vague de Dynamax sur Tougala. Ouais.
pouvez toujours essayer de nous arrêter si ça vous chante, mais jamais vous ne rattraperez nos augustes postérieurs. J'ajouterai même nos augustes et célèbres postérieurs. Adieu la plèbe, après nous, le déluge. Ouais, revenez ici tout de suite, c'est à cause de vous tout cirque, vous allez me le payer. A du calme, Nobel. Reste ici, et arrête de hurler. Aussi, ça sert à rien. Ouh, c'est violent ça. Mais il s'enfuit. Et si c'était un piège, hein? Réfléchis, petite tête. Faut jamais se lancer tête baissée. Comme un mouflon, jamais. Mais... Ok, t'as raison. Bien, faut qu'on se calme, on respire, et on réfléchit. Hurlu et berlu, là. Hein? Bah, vu qu'ils ont pas pu s'empêcher de nous raconter la moitié de leur plan, on sait qu'ils sont responsables d'une amax de sucre. Et qu'ils comptent bien continuer. En tant que maître, je ne le permettrai pas. Personne ne chie sur mes plates-bandes. Suivez-moi. Ouais. On verra plus tard pour les pérouiller. Holo et Peterson, il faut rattraper les deux tocards. Ouais. Alors, moi je vais consulter ma carte. Je suis la carte. Où est le pic? Le pic d'énergie. Où y a-t-il un pic d'énergie? Nulle part. Ah, c'était écrit aller à l'extérieur. Je suis allé trop vite, excusez-moi. Thématique encore? Oh là là. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé, le voice acting aujourd'hui c'est fou. Oh, te voilà, Holo, c'est la cata. Vu que le pic de Galarion est retombé à Greenbury, je pensais que tout était rentré dans l'ordre. Mais en fait, non. Les capteurs révèlent de nouveaux pics au stade de Skinford et de Motoboy. D'ailleurs, c'était quoi le problème au stade de Greenbury? Dramatisé au maximum. Vas-y. Pokémon Dynamax a détruit tout le stade. Tu te moques de moi ou quoi? Je vois bien que le stade n'est pas du tout détruit, quoi. C'est bon, tu me prends vraiment pour une imbécile, hein. T'as encore un coup des deux clowns, là? Oh, ils sont trop relous. Oh, Sonia! Nobel, petit Sean, qu'est-ce que vous fichez ici? Surtout toi, petit Sean, je te croyais smashings. Eh bien non, je suis plus champion d'arène. J'ai bien le droit d'aller où je veux. Mais attends... Il y a d'autres Pokémon Dynamax qui se déchaînent? Oh ouais, enfin je crois. J'ai des relevés semblables à ceux que j'avais eu pour Greenberry. Quoi? Mais alors, Rosemary est en danger! Yeah. Non, c'est bon, hein. C'est juste à ce qu'il faut d'un motorbike, hein. Tout est calme, Spichings. Ah, ouf. On peut pas... On peut pas rester les bras croisés s'il y a des Pokémon Dynamax qui se déchaînent. Ah, pas vrai, Holo? Mais grave. Voilà une réponse digne du maître de Galar. Je pense que je peux vous aider à traquer les deux clowns. Je vais farfouiller sur les réseaux sociaux histoire de voir si quelqu'un les a pas repérés, hein. Bref, on laisse les recherches à Sonia, c'est bien ça? On s'occupe de calmer le jeu dans les autres stades. Oui, d'accord. Bonjour, ça va? Mais non, mais oh, il y a trop de trucs là! Je m'en sors pas, c'est un enfer! Trop de voix, c'est terrible! Pourquoi j'ai voulu faire ça, moi? Alors, motorbike. Alors, j'ai écrit ça comment, moi? Alors, j'ai mis Skiford avant. Voilà Skiford avant, du coup. Yes, Skiford. Kevin? Salut Gengar! Ah non, Jean-Jar! Comment tu vas, Jean-Jar? Je suis en pire. Pire des salauds. Est-ce que mon équipe a été soignée? Non. Je suis nul. Salut Toto. Toto Bobu. Comment tu vas? Toto Bobu. N'hésitez pas à follow si vous êtes nouveau. Hein. Il y a pas mal de gens, j'imagine, qui me découvrent ce soir vu que bah, vous êtes quand même pas mal de viewers. N'hésitez pas. On compte sur vous. Et allez RT le tweet d'annonce. Yes. Let's go. Le tweet est dans le chat. Merci Jojo. Merci Jo. Je viens de penser que j'avais sûrement des Poké Service qui étaient revenus, mais j'ai un petit peu la flemme. Un petit peu, hein. Alors, niveau équipe.
Niveau équipe, j'ai rien du tout pour le prochain combat. On va mettre ça. On va mettre ça. La meuf, c'est le genre de viewer relou qui utilise les réseaux sociaux pour te traquer. Pas Ichani Alizar, non, Jean-Jean. Non, approchez pas, c'est dangereux. Ouais, on sait, on vient aider. Spectateur et personnel sur l'abri, c'est bon? Oui, nous voulons tout juste de terminer l'évacuation. Vous savez ce qui se passe alors? Vous avez fait le déplacement pour aider tous ensemble? Ça alors? Si on m'avait dit qu'un jour tu deviendrais sociable, Peterson, qui m'a pas cru? Oh, ça va, hein? On veut t'aider! Désolé, je ne voulais pas paraître ingrate ou me moquer. Vous me retirez une épine du pied? Sauf que Dynamax est redoutable, je ne suis pas convaincu d'être de taille. Toute aide est plus que bienvenue. Y'a pas de temps à perdre. Nous avons pour que Dynamax à affronter. Excusez-moi, je cafouille un peu là. J'essaie de prendre des screens en même temps. C'est un enfer. T'as loupé le Candine, je crois, il a appris écrasement entre temps. Non, je sais pas à quel niveau il a pris écrasement. Je pensais que c'était plus tard en fait. Je me suis pas trop posé la question en fait. Léviator! Léviator, Dynamax. Et j'ai pas grand chose contre lui malheureusement. Et en plus, il fait intimidation. Super! Salut Nirm! Ah non, je t'ai dit bonjour. Con. Je dis bonjour 15 fois aux gens, c'est incroyable. Alors! Ouais, du coup, non, j'ai. Il apprend plus tard, non, écrasement? J'étais convaincu. On va faire ça. Et on va. C'est sur max, allez. Ouais, bonjour, ouais. Yes! Let's go! Ah, niveau 29 écrasement, bah, je lui répondrai alors. Salut Wojtek, comment tu vas? Merci Meta X Light. Meta X Light, merci pour le follow, bienvenue à toi. J'essaie de te mettre des bienvenues dans le chat, mais pas évident visiblement. Voilà, c'est bon, ça marche. Che! J'ai bien écouté, bien tant mieux. Hâte, non mais vraiment. Merci Wojtek pour les 2 mois de sub. Merci beaucoup. Il me dit à l'aise ou allez, je ne sais pas. C'était pas dingue hein. Ah, c'était pas dingue. Merci Wojtek. 2 mois de sub, le début de la finalité. Merci beaucoup. Salut Dark Weaver. Comment ça va? Non, je vais continuer hein, c'est trop max. Continue, j'ai pas grand chose à faire d'autre. Damoclès, ouais. Exécution tout à l'heure, ça n'a pas fait trop de dégâts. Réinitialisation des stats. Lame de roc. J'ai pris cher quand même. Ok. Je compte bien aller loin dans les mois consécutifs. Merci beaucoup Wojtek, très très gentil. Merci beaucoup. Merci pour le sub. Et paf. Et c'est fini. Et c'est fini toi. Je vais vraiment claquer un Esta Finito quoi. Merci. Grâce à vous, personne n'a été blessé. Nous aurons pu calmer le jeu. Je vais garder ce Pokémon ici et le soigner. Diolo. Sache que si un jour tu as besoin de mon aide, je répondrai toujours présente. Merci encore. Bah au revoir. Oh, ça va, ça s'enchaîne vite en vrai. On a mis 6 minutes, je crois, pour faire ça. Ça va? Allez, le suivant! C'est parti! Motobye! Merci! Wojtek pour le don d'un euro! Petit bonus qui fait plaisir! Merci, Wojtek! Merci d'y penser, merci beaucoup! Merci pour les 1 balle! C'est chonti! Merci, Wojtek! Hop! Rappeler de capacité! On va lui reprendre. Écrasement à Candine. Parce que je l'ai eu trop haut level en fait. Écrasement. On va lui reprendre à la place de Doubarfin. Et c'est très bien. Hop, on va soigner vite fait. Et puis on y va. Hein. Prochaine arène. Ok. Yes, 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 yes.
Damn. Yes. Allez, allez, allez. On enchaîne. T'as tellement envie de bourrer le jeu là. Hâte d'aller faire mon Pokédex et tout. On va mettre en lead les Argus. Let's go. Hâte des petites chasses. Ouais, moi aussi j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'aimerais quand même remplir mon Pokédex avant. Pour dire d'avoir Charm Chroma et que ce soit encore plus opti quoi. Mais on verra, je pense que je craquerai forcément. Genre peut-être pas aujourd'hui, mais demain je pense que je craquerai forcément à essayer au moins un petit peu de faire de la chasse quoi. Je pense. Aujourd'hui je sais pas encore. Je verrai en fonction du temps qui nous reste après, après ce point d'histoire là. J'aurais dû prendre un screen de ça en vrai. Ah putain oui. Quelle voix je... Ah oui, maître. Oh, Nabil et Peterson sont là aussi. Bonjour, monsieur Camus, vous vous souvenez de moi, c'est gentil. Ah mais non, c'est bien normal. Je me souviens de tous les challengers qui viennent me voir, et particulièrement de ceux qui réussissent haut la main le défi des arènes. Ouais, bon, vous voulez pas attendre que tout soit réglé pour vous jeter des fleurs? Il y a plus urgent. C'est vrai. Vous ne devinerez jamais, mais en ce moment dans mon stade... Ouais, on sait. Ok, bon Dynamax, blablabla, justement, on vient aider. Incroyable. Je dois dire que vous tombez à pic, face à un adversaire aussi redoutable que lui, il va falloir jouer collectif. En formation, compagnon. Nous avons un match à gagner. Ah ouais, le Pokédex, j'ai hâte de le faire. J'ai hâte de courir partout dans le monde pour essayer de trouver les Pokémon, ça va être incroyable. Charthor est le futur, le prochain Dynamax à vaincre pour le scénario du post-endgame. Sécheresse de Charthor. J'avais oublié qu'il avait sécheresse ce con. Donc forcément les attaques hauts seront un petit peu moins intéressantes. Mais bon, c'est pas grave. On va Dynamax et Hydromax. C'est parti. On va chasser, on n'a pas de méthode de chasse encore. Si si. Je me connais à 1%, c'est vraiment l'enfer. Mais oui, non mais j'imagine. Mais y'en a plusieurs? Y'en a plusieurs ou y'a que Barpo comme ça? C'est terrible. Et paf! Bah après la méthode de chasse elle est pas encore hyper claire, mais c'est pour ça, on va essayer aussi de comprendre une autre partie du truc quoi. On va essayer de faire des tests un petit peu, puis vous aussi j'imagine que vous en avez fait de votre côté, je pense, non? Ballon brûlant. Excellente idée ça. Bravo. Ils ont que les Pokémon feu, c'est quoi ce bordel? Ah merci putain, j'ai juste dit s'il fait une attaque feu lui aussi, au bout d'un moment, au secours quoi. Tyromax. Ah. Salut Chris, comment tu vas? Full Oz, j'attends la méthode. Alors du coup, tu fais jamais de Full Oz en fait. Faut le savoir, dans ce jeu là, tu fais jamais de Full Oz. À moins que tu aies fui tout... Enfin ouais non, c'est pas possible en fait. Enfin si, c'est possible, mais il y a très peu de Pokémon sur lesquels tu pourras faire du Full Oz. Et encore, bah faudra fuir tous les combats quoi. Ça va être toi, ça roule Chris. Merci. Le test pour la science, nice. Oui, je suis assez d'accord, mais c'est un petit peu l'avis qu'on avait un petit peu tous hein, avant de commencer notre aventure pour toutes les personnes qui regardaient un peu les leaks. Mais oui, effectivement, on se disait tous que les trois évolutions des starters étaient pas... Voilà quoi. Elles faisaient pas hyper plaisir quoi. On espérait mieux. Les Shiny, non. Salut Gamer, comment tu vas? Le champion de type feu est Nabil attaque son starter. Oui, non, mais son starter, il a forcément autre chose que les attaques feu. C'est ça que je veux te dire. Il a forcément autre chose que les attaques feu. Il a forcément moins une attaque combat ou j'en sais rien, tu vois. Il a forcément mieux. Terrible. Nous avons évité le pire. Excellent. Je vais prendre soin de ce pauvre Pokémon jusqu'à ce qu'il soit de nouveau sur pied. Holo, c'est un plaisir de faire équipe avec toi. Si tu as besoin d'aide un jour, n'hésite pas. Merci beaucoup hein, pour vos cartes rares tous là, mais vraiment, c'est pas obligé. Hein. Je suppose que le devoir vous appelle. Je vous laisse filer, merci encore. Mais où méga fouet? Ouais, je l'ai eu en raid, ouais. J'ai eu en raid. Monty Dring. Holo, il y a ton Woody Smart qui sonne! Ouais, Holo! Au secours! Et deux clous ont débarqué au labo, quoi!
Quoi? Sonia, ça va? Il réclame les étoiles veux, hein. J'arrive à les tenir à distance pour l'instant, mais ça va pas durer, quoi. Franchement, je commence à flipper grave sa mère, quoi. Venez vite. Ils en ont pris les étoiles veux, aussi. Allons sauver Sonia et récupérer les perrouillés. Eh ben, c'est parti, hein. Je vais foncer au labo. Ah merde, j'ai pas lu. Oh. Enfin bon, s'il faut aller au labo, allons au labo. Il est hyper motivé, hein. Il est trop déter, c'est cool. Salut Busy. J'ai dit bonjour plus haut, mais t'as pas capté. Désolé, ça faisait un bout de temps, j'avais pas mis les pieds sur Twitch. Comment tu vas? Et merci de venir sur mon live, du coup, c'est cool. Le labo. The laboratoire. J'ai les 200 voyeuristes. Merci Laura. C'est vrai que c'est pas évident en ce moment. Twitch, beaucoup d'autres streamers bien plus connus. Difficile de se faire une place. Et merci à vous, parce que être 200 déjà, c'est insane. Merci à vous. Ok, c'est bon, j'en suis là du coup. Je vais vérifier en même temps la solution, hein, excusez-moi. On essaie de professionnel. Du coup, je vais peut-être changer le lead. On va passer sur Basculocendre. Ouais, je fais beaucoup d'aller-retour dans cette partie du jeu là. Complètement. Pourquoi je suis venu ici moi? Ici je devais venir? Je suis pas trompé d'endroit? Ah non, laboratoire, laboratoire. Putain, ouh, wow. Là vous venez de voir à l'œuvre ma mémoire immédiate qui disparaît. Vous venez de voir ça là. Oh putain, oh putain, oh putain, oh putain, oh. Les étoiles feu rassemblées par le président Chéroz sont ici, nous le savons. Notre instinct supérieur nous le dit. J'ajoute même que c'est notre glorieux destin qui nous guide. Instinct, destin? Qu'est-ce que vous racontez? Ça n'a aucun rapport avec les étoiles feu. Je sais pas comment vous êtes au courant, mais jamais je vous les donnerai. Absolument. Vous n'avez aucune idée de la véritable valeur de ces étoiles veux. Je parie que... que vous ne sauriez pas quoi en faire. Que faire face à un tel manque de coopération, mon punais? Allons pas trop de solutions, mon aîné. C'est bien pénible dans la vie là, mais ma foi. Oh, c'est vous qui êtes pénible. Mais bien! Vous forcez des pauvres Pokémon à dynamaxer! Espèce d'idiot sans cœur! Vous le paierez! Et vous allez vous rendre les perrouillés aussi pendant que vous y êtes! Oh! Ouais, pas le sang bleu! Je m'attendais certes à voir le maître débarquer en fanfare. Mais que vient du bar ici, ce faquin? Si mes souvenirs sont exacts, il a lamentablement perdu contre nous. Peut-être qu'il a enfin compris sa place dans la société et qu'il a pris goût à courber les chines devant meilleur que lui. Non, je... Ah, oh, les écoute pas, tu vois bien qu'il raconte n'importe quoi. C'est clair. L'autre bouffon, t'as peut-être battu une fois, mais t'as pas dit ton dernier mot. Oh, ok. Courage, la mère. Holo, merci. Assez rigolé, j'en tarte et j'en flop. On va vous dégager d'ici direct. J'en flop. J'en tarte. Mon aîné, comment hostile. Oh, les gredins, ils vont payer pour cette infamie. J'ajouterais même qu'ils vont payer au centuple. Cette fois-ci, nos équipes sont bien plus redoutables. Yes. Putain, mais ce voix, ça... Mais ça m'épuise, hein. J'espère que vous appréciez, parce que ça m'épuise, hein. Le Jean Tarté, quoi. Ah, Samouraï. On se retrouve, Samouraï. Alors, Samouraï... Alors, à moins qu'il fasse escarmouche sur mon mouflon, déclic tactique. Et comme ça, hop. Déclic tactique. Vous avez compris. C'est ça, déclic tactique, non? Repli tactique. Déclic tactique, c'est... Exagine.
Dans Pokémon Game Twitch, tu commences à peser un peu. Oh, je sais pas. J'en sais rien, je t'avoue, je sais pas. Je sais pas une question que je me pose en fait. Pourquoi les couleurs des légendaires, c'est une question que je me pose. Ah, mais pourtant c'est évident. Enfin, je pensais que ça allait être évident, mais visiblement, peut-être pas. Dis mon clé, meurs. Che. Pour changer ma voix, j'utilise une table de mixage. Un truc qui ressemble un peu à ça. Putain, oh putain. Du coup, par exemple, je peux faire... Bonsoir. Voilà. Putain, oh putain. Oh le con, oh le con. Bouge pas, hein. Bouge pas, Micheline. C'est bon. Hop. Au fond, Damoclès. Damoclès, mais Damoclès sur... Scalproi. Ok. Bon, je m'occupe de Scalproi, ce qui va être relou, hein. Allez. Ché. Ok. Bah, difficile. Parce qu'évidemment, je vois vos commentaires dans le chat. C'est quand même vachement difficile de faire une coiffure qui ressemble à une épée sans que ça ressemble plus ou moins à un pénis. Donc évidemment que c'est compliqué de... Bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Hein. Salut Troxlama. Où en es-tu? Post-endgame. Post-endgame pour moi. Tout se passe bien. Mon Scolosandre est en train de faire un petit sommeil. Petit dodo. L'autre est en train de faire des Damoclès dans tout et n'importe quoi. Là, il sait pas où il va. Il sait pas où il va, mais il y va. T'as réussi à avoir un Goliath Gigamax. Gigamax, non. Pas encore. Au revoir. J'ai pris archi cher. Extra ascenseur, c'est pour moi. C'est pour lui. Non mais là je me réveille. Là je me réveille et c'est génial, regardez. Regardez, hein. Voilà. Je l'ai dit en fait. Ché. Très bien. Putain, j'aurais dit ché pendant toute l'aventure. Je suis désolé du humain. En fait, ça devrait être un ché play. Un ché play, pas un let's play. Ou un let's ché. Let's ché. C'est ça en fait, j'aurais l'appelé comme ça. Du coup, on a déboîté. Je suis pas mort. Du coup, on a déboîté tous les Pokémon de l'équipe de gauche. Ça, c'est du génie. Hein. Ça, c'est du génie en fait. Parce que du coup, là, on est en 2v1 constant. On est vraiment des monstres. Ouais, l'ansorien, vraiment trop stylé. C'est vraiment un des Pokémon que je préfère. Damoclès. Et tu cliques. Ok. Mais Tamorf est dispo dans le jeu. Oui, il est dispo en raid et il apparaît où? Dans les terres sauvages, mais où je sais plus exactement. Mais il est rare, hein. il est vachement rare. Je sais plus où il apparaît dans les terres sauvages. Astakuda, ouais Astakuda en vrai il est cool aussi. Ah Hexadron, type combat, j'ai pas grand chose contre lui malheureusement. Donc ça va peut-être pas le faire, je vais faire fou de feu quand même mais ça le fera pas. Peut-être le Damoclès va le buter par contre. Le Damoclès risque de le buter. Ah bah en plus il passe first, ok. Merci. Il y a tout au lac Ouragan, bah voilà. Dito est au lac Ouragan si je me souviens bien. Oh non mais il y a tout là-bas en fait. C'est vrai que tout ce qu'on cherche c'est là-bas en fait. Ah pardon, excusez-moi, faut que je reprenne mon voice acting tout de suite. Excusez-moi, j'ai oublié que... voilà. Oh mon aîné, j'ai failli. Oh mon puné, pardonne ma faiblesse. Décidément les évolutions, l'évolution un petit peu, voilà, c'est un peu chiant. Hein. Ça tombe pire au moment à chaque fois. Sucraine. Un de moins dans le Pokédex, c'est cool. Yes. Votre sucrète, oui, votre sucrète. Pourquoi je lui apprends alors qu'on s'en fout? Je me dis, on sait jamais. Parce qu'on sait jamais. Non, mais oui, Osef. J'ai chopé un Crabos Gigamax. Nice, Shiruda. Nice. Ouais, on a gagné, ouais. Ouais. Quoi? Comment nos équipes ont-elles pu perdre malgré leur pedigree immaculé?
plébéiens et déloyaux en sueur. Vous n'avez donc point d'honneur pour nous attaquer à deux ? Non, mais vous étiez deux aussi, hein. Cette mauvaise foi, j'hallucine, quoi. Ouais, j'hallucine. Assez joué ! Rendez-nous les perrouillés et arrêtez de ginamaxer les Pokémon à tort et à travers ! Bien. J'espère que j'ai choisi pas mal mon moment. Et j'espère également que vous m'excuserez de vous interrompre aussi cavalièrement. Attention, hein, ne s'approchez pas ! Bravo à toi, fidèle sbire. Ton infiltration était... parfaite. As-tu récupéré toutes les étoiles vues ? Oui. Grâce à vous, messieurs. Vous avez habilement su détourner l'attention. Ah ! Oh non ! Arrête ! Toutes les étoiles ! Oh, je crois que là, nous nous sommes fait avoir dans les grandes largeurs. Et voilà, qui sont la tarte et le flop maintenant ? Pas nous, clairement, c'est vous. Le combat n'était qu'une ruse. Nous allions déjà gagner avant de lancer la moindre Pokéball. Adieu, après nous, le déluge. Oh non, revenez ! Mais comment t'as pu me faire ça, quoi ? Je croyais que t'étais ma besta ! Ce n'est pas de gaieté de cœur, professeur. Depuis le début, tu m'as menti, hein ! Je n'avais pas le choix. Tout le plan reposait sur ma duplicité. C'est pour le bien de Galar. Nous devons réinstaller les héritiers de roi sur le trône. Connasse ! Voilà. Elle est partie où ? Hé, hey Micheline, tu pleures ? Micheline ? Ah ! Mais là, je le vois normalement si tu pleures, mais... Pourquoi elle pleure ? Hé, hey, mamie ! Mamie Tromblon, ça va ? Bon, elle s'en fout, ok. Bon, on y va. Il suffit le voice acting, là, c'est bon. Hein. Oh là là, encore. Toujours plus. Oh là là, et pourquoi elle sort, elle ? Oh là là ! Ouah, attendez, hein, vous allez tous sans rien dire ! Ah non. Tu dois être un peu déprimé, non ? On voulait te laisser un peu en paix. Ouais, ça a dû te faire un choc, on comprend que tu sois triste, tu sais, tu peux pleurer. Non, mais je suis pas déprimé, hein. Je suis en colère. Et je me suis fait avoir comme une bleue, quoi. Je vais pas passer trois plombes à pitoyer sur mon sort, ça avancera rien. Les deux, les trois clones sont partis avec toutes les étoiles bleues. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais ça ne présage rien de bon. Hein. La déprime, ça attendra. Oh, ok, cool. Ah, elle manque pas de cran, la prof. Oh putain, mamie. Oh, mamie Tromblon, j'adore mamie Tromblon. Oh, je suis fier de toi. Et tu as bien mûri, ma petite. Tu ne te laisses pas décompenser par l'adversité. Oula. Grand-mère. Je crois que j'ai réveillé le démon. Je sais pas si vous l'avez entendu ou pas, ma table, ce qu'elle a fait. Vous avez pas entendu le gros bruit que ça a fait ? Dynamax ne révèle toute sa puissance que lorsqu'un lien de confiance unit un Pokémon à son dresseur. Ce qui n'est pas le cas ici. Mes deux zigotos doivent se contenter d'extraire les Galarions des étoiles bleues pour forcer le Dynamax. C'est affreux! Ouais, affreux. Comme eux. Sérieux. Comment ils peuvent faire ça à des Pokémon? Le vol des étoiles bleues, ce n'est que le début. Il faut s'attendre à de bien plus terribles dégâts. Mais je comprends pas. C'est quoi leur but? Ça leur apporte quoi de forcer des Pokémon à se dynamaxer? Ils ont dit qu'ils voulaient révéler la vraie nature des anciennes Amazenta. Ouais, et aussi mon assistante, enfin, mon ex-assistante a parlé d'héritier des rois de Galar. Quoi qu'elle parlait au sens propre. Oh là, regarde cette charte. On a des Pixie Mutant dans 4 stades. Ces crapules ne perdent pas de temps. Les stades. Rosemary.
Non, c'est bon, hein, c'est toujours calme du côté des Smashings, hein. Ce qui est logique vu que la vie n'est pas à côté d'une source d'énergie, hein. Ah ouais, c'est vrai. Oh non, y'a pas d'instant à perdre! Allons sauver ces pauvres Pokémon! Ouais, je vous laisse vous occuper des Pokémon du Galaxy, hein. Pendant ce temps, j'essaie d'en apprendre plus sur les Décloons. Au revoir, mamie! Mange une bonne soupe ce soir, hein. Alors, 4 stades encore à faire là. Oh là 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 là. Bon. Allons-y, parce que 1h05, bordel. Kikunam. Kikunam, c'est le premier truc que je me suis noté. C'est ici. On y va. Ça vous a pété les oreilles, le bruit, là? Je sais pas comment ça se fait. Je pense parce que je suis passé trop vite d'un effet à un autre. Du coup, ça a dû merder un petit peu. Hop. Vite. Je me suis pas soigné. Mais elle est là, mais Sonia, elle est là, mais... Vite. Je vais pas emprunter ça... Non mais... Je parle à Sonia. Mais parle le toutou, bah Sonia. Polo. Ah. Les deux relous. Vite. Non, vite. Les deux relous ont pris cet ascenseur d'après les infos que j'ai pu glaner. Ah mais c'est tout. Non. Mais y'a une série électronique sur la porte, j'arrive pas à l'ouvrir, ça prend un petit moment. Ok. Salut les gens de la rue, comment tu vas? On va faire un abonnement. Et oui, Zephus! Zephus Craft! Oh, sérieux? Je suis content de vous voir. Vous pouviez pas mieux tomber. Le stade risque de s'écrouler, y'a trop de Pokémon Dynamax, on s'en sort plus. Ouais, on dirait bien que les étoiles vœux ont été utilisées pour semer le chaos. Hein, c'est ça, tu crois? On n'a pas le temps de se prendre la tête avec ça maintenant. Faut qu'on calme les Pokémon Dynamax. Heureusement que vous êtes là. Avec vous, on a une chance d'y arriver. Pas de soucis, on est venu pour vous aider, pas vrai, Holo? Ouais. Cool. La Dream Team est dans la place. Ça va être un truc de dingue, c'est dommage qu'il n'y ait pas de caméra. Benerson, bro. Je compte aussi sur toi. Pendant le tournoi, t'as trop bien géré mon Pokémon Dynamax, t'es un pro. Oh, merci. Bref, c'est pas en nous, on sera plus efficace. Bien vu, bro. Chacun se trouve un Pokémon Dynamax et s'occupe de le calmer. Go. C'est le bordel. Bon, bah c'est parti. Hein. Screen. Ah, c'est en solo du coin. J'ai un mauvais souvenir qui remonte là. Ok. Tranchodon. Let's go. Let's go. Ouais, bah on va Dynamax. Hein. On va Dynamax. Et puis on va choc émotionnel. Le tranchodon, c'est parti. Ça va le chat? Vous êtes si calme. Trop vénère. Vas-y, tabasse-le, Metalomax, j'ai mal. J'ai extrêmement mal, il est plus rapide que moi. Donc si je one-shot pas, bah je suis mort. Il vient d'augmenter sa défense, ça pue. Je vais me faire ouvrir. Ah, comme quoi. Bah je vais tenter, mais je vais me faire ouvrir. J'ai pas d'autres moyens en vrai. Non, moi j'ai pas d'autres moyens, c'est tout. Ouais. Salut Smokix, comment tu vas? En vrai j'aurais dû switcher peut-être. D'ailleurs si on switch, on perd la giga ou pas? On perd la Dina si on switch? Forme Gigamax, c'est trop stylé, dommage que tu l'aies pas. Oui, je l'ai pas encore. J'ai pas encore farmé pour l'avoir. Du coup, j'ai envoyé mon lance-orien, je pense. J'espère être plus rapide. Bah, normalement, oui, je suis plus rapide. 142 de vitesse pour un outspeed, il va falloir qu'il soit chaud, quoi. Ou un niveau bien supérieur, mais... Je suis pas sûr que Dracon Flèche tue, par contre. Hein. Oh là là, pas du tout. Ah ouais, c'est chaud, en fait, en solo. Hein. Alors, je vais peut-être me donner quelques bonbons, hein, pour les combats suivants, pour que ce soit plus simple. Donc là, je me prends une attaque dragon, je suis mort 1000%. Un giga impact, mais il est con, mais.
Mais... Bon. Je vais pas questionner les plaies, hein, je... Voilà. Écoutez, n'importe quelle attaque dragon m'aurait défoncé, mais bon, c'est pas... Voilà. Voilà, c'est pas si important. Vous avez grave assuré, merci encore. Tiens, je vais poster une photo de nous sur mon profil pour marquer le coup. Je suis sûr que ça va me rapporter un max de likes. J'ai occupé les Pokémon qui se sont calmés, vous en faites pas. En fait, Holo, si jamais t'as besoin d'un coup de main, pour quoi que ce soit, n'hésite pas. Et allez, une carte de ligne. Le grand roi sera toujours là pour Nabil, et toi. Quant à toi, Peterson, encore mettre ça, on va se faire un combat, mon pote. Et sans Dynamax, à toi. Ah, je suis trop gêné. Bon, sinon, de ce que j'ai compris, il y a des gars qui utilisent des étoiles bleues pour faire des trucs chelous, c'est ça? J'imagine que vous êtes déjà sur le coup pour choper les coupables. Moi, je gère la situation au stade de Kikenam, donc je vous laisse mener l'enquête. Il n'y a pas d'attaque dragon, ce serait un enfer. S'il n'y a pas d'attaque dragon, c'est un enfer. Je m'en veux qu'on ait pas réussi à empêcher les deux bouffons de mettre la main sur les étoiles bleues. Sans ça, ils pouvaient pas dynamaxer tous ces Pokémon. Ouais, c'est que le début, on doit encore aller dans 3 stades, c'est pas le moment de ralentir le tempo. Le tempo. Ne ralentissons pas le tempo. Alors, ensuite je me suis noté quoi moi? Ensuite j'ai mis Holchester. C'est parti. Non, pas la bicyclette. C'est pas ce que je cherchais. Alors Holchester, let's go. Et 200 viewers, merci à vous, n'hésitez pas à follow s'il y a des nouveaux parmi vous, si vous appréciez le contenu. Je stream 6 jours par semaine. Il manque quoi lui demain? Comme ça il est devenu maître, franchement bravo. Ah, il est devenu Ultra-Ball lui. Oh. Ah, c'est marrant. Bon, un bandeau, ah oui. Je voulais l'acheter aujourd'hui. Il vend quoi demain? Il vend quoi Michel demain? Bonne affaire demain. Non, d'hier. Non, c'était... Non, pas d'hier. Demain. Une cuillère tordue. Waouh. Et toi, vite fait, je fais les emplettes avant d'aller là-bas. Couchin d'étoile. Oui, vas-y. Voilà. Une carte rare, ça change quelque chose? Non, c'est quoi? Collection. Yes. Je te l'ai dit, mais t'as pas lu. Mais si, tu m'as envoyé dans la conve Discord. Mais là, je l'ai pris, je savais pas que c'était lui en fait. J'avais pas compris que c'était lui qui me l'a donné. Oh putain, le voice acting. Zelda pour aider. Ouais, on va dire ça. Tu nous fais un topo sur la situation? Les spectateurs sont à l'abri. Le personnel aussi. Il reste plus que les Pokémon et la Martin. Oh, parfait, on peut s'y mettre tous ensemble. J'ai pas switch de lead. J'ai pas soigné mes Pokémon. Je suis vraiment un gros caca ambulant, c'est incroyable. Je suis un tcha-tcha ambulant. Oh là là, en plus c'est nocturne. Oh là là. Quelle vie de merde. Au moment où j'aurais besoin de vivifier. Très bien. Bah du coup, ouais. Du coup, c'est chiant. Non, bah je vais. C'est pas grave, j'utilise un rappel quoi. C'est grave. Je fais le con. Lugurmax. Chez. Ah, je suis pas mort. Du coup là en vrai non mais je pense que je vais juste full soigner. Tant pis hein, mon Lézargus va servir de tampon. Hop. Pour laisser Angoliath revenir, voilà quoi. La voix que tu donnes à Dabi, il est trop drôle. Ah bah c'est la voix du Kekos. On appelle ça la voix du Kekos. Évidemment il m'a gelé, évidemment. Tu peux pas me finir en fait. S'il te plaît. Please. Je suis plus gelé. Yes, bah tiens. Eh hey. Hein. Ah oui quand même. Ah, j'ai tellement sous-estimé mon Lézargus en dégâts. Séisme. Au revoir. Merci. Merci Totof pour le follow, bienvenue. Bienvenue Totof. Tu as trouvé où les encens? Il y a un marché d'encens dans la ville avec la reine
Oh, Skiford du coup, je crois. C'est ça, je suis un monstre. Merci Totof, et bienvenue. Oh, j'ai chaud. J'ai chaud. Ah, Ché. Paf. C'est moi ce Pokémon en fait. Dis, c'est moi. Meurs. Ouais, désolé. Ouais, il est quand même cool le jeu, hein. Faut le dire. Quand même cool. Donc, sachant que si vous faisiez Faiza, bah, si vous aviez épée, vous. C'était un Beto Chef visiblement que vous affrontiez. Merci. Tous les Pokémon sont redevenus normaux. Je vais m'occuper d'eux. Ils peuvent reposer ici. Holo, tiens, si tu as besoin, n'hésite pas. Merci. Je m'occupe du reste. Allez-y. Allez aider les autres stades. Au revoir. Cette conversation. Allez hop, on enchaîne avec la suite. On n'a pas une seconde à perdre. Ouais, il y a encore deux autres stades en situation critique si j'ai bien suivi. Avant qu'on se dépêche, au secours. Si je veux que la VOD soit pas trop longue. C'est quand même plutôt pas mal. Du coup, ensuite je me suis noté. Ah ouais, non, mais en fait, on pourra pas. C'est enfin. Hop. Après, j'ai mis Corifei. Mais j'ai du mal à comprendre. Quoi? Je me suis gouré, j'ai mal compris ce qu'il fallait mettre. Je sais pas, on va voir. Ça a l'air long post-endgame? Non, pas tellement. Là, il reste quoi? 40 minutes, je pense. Pour éviter les spoils MDR, même si j'en ai déjà eu plein. Merci Aguila. Va formidable. Comme si ma journée n'était pas assez cauchemardesque. Travis, toi aussi, t'as des problèmes avec des Pokémon Gigamax? Est-ce que j'ai une tête à avoir des saucées? Je suis le champion de type fée, je te rappelle. Ma vie n'est qu'une féerie. Je fais partie de l'élite, ce ne sont pas quelques Pokémon Gigamax qui vont me causer des torts. Ah ouais, c'est vrai, t'es champion maintenant. Mais bon, l'élite, ça reste à débattre. De 1, je te permets absolument pas. De 2, qu'avenez-vous faire ici? De 3, jouer un sauveur, vous pouvez remballer. Des gens de merci. Ensuite, bravo la cavalerie, mais vous arrivez trop tard. Oh, t'as vraiment pas changé, Travis? Je savais que tu nous enverrais bouler. Mais on est là pour aider. Oh, c'est lui le champion petit fait, merci du cadeau. Il va être gratiné, le prochain défi des arènes. Lève ces jouets de moi. À côté de maintenant, je me reposerai plus jamais sur autrui. C'est mon équipe et c'est moi contre le reste du monde. Holo, je te défie en duel. Right here, right now. Mais c'est vraiment pas le moment. Oh putain. Ah, un autre avis. J'attendais plus de jugeage de la part du jeune homme que j'ai jugé. Digne de me remplacer. Et vous, arrêtez de l'embêter, hein! C'est un gentil garçon! Il a déjà neutralisé les trois Pokémon Dynamax à lui tout seul. Vous n'avez plus rien à faire à part vous tourner les pouces. Travis ne laissera plus jamais personne lui dicter comment vivre sa vie. Acceptez-le! Bon, je dis ça alors que c'est ce que je fais, certes, mais c'était pour son bien. Je vous prierai d'un peu se déranger les choses, vous venez des guerres! Sally, je vous admire, vous manipulez les gens depuis 88 ans. Madame, j'insiste. Merci pour votre soutien, mais laissez-moi mener mes combats tout seul. Toi, battons-nous, je te laisse pas le choix de toute façon. Mais d'accord. J'ai rien soigné encore. Mon équipe et moi avons fait peau neuve. Tu crois nous connaître? Tu fais erreur. Tremble, maintenant. Je me suis pas soigné aussi, Travis. J'ai oublié. Mais Travis, j'ai oublié... J'aurais pu dire non, et aller me soigner. Mais bon. Ah, le lead est très mauvais. Très très mauvais lead, ça. Ouais. Intimidation. Bon, c'est pas grave, je vais switcher de toute façon. Hop.
Est-ce qu'on le sent ? C'est parti. Je peux pas refuser le défi, j'ai essayé. Ah oui, genre, si tu dis non, il dit oh non, tu restes. Ché ! Très très bon switch-in du coup. Excellent switch-in. Paf ! Allez. Garde-voir. Garde-voir, 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 garde-voir. Qu'est-ce que j'ai contre garde-voir ? Yes. Y'a rien à part fauchage, Spokix. Ah, y'a retenu ? Ouais, mais retenu, c'est un truc particulier, c'est pas un truc que tu peux choper facilement, non ? Non, ça doit changer plus régulièrement que ça, hein, Baka. Ça peut pas une seule fois par journée le changement de météo. Hein. Ce serait trop contraignant pour plein de choses. Yes. C'est une capacité événementielle, voilà, c'est ça. C'est bien ça. Il me semblait bien. Yes. Galopa, je reste. Une fois par jour la météo, c'est vraiment ça ? Mais c'est horrible du coup. C'est vraiment une fois par jour ? C'est infâme. Merci Justum pour les 17 mois de sub. Tu m'as déjà presque rattrapé. Hier j'ai très peu joué car vu une amie et aujourd'hui bah reprise du boulot. Bref, je reprends ma partie. Bon live à toi, je reste en arrière-plan pour faire un viewer en plus. Merci beaucoup Justum. Merci énormément. Bonne capitale. Encore non ? Putain, j'ai jamais changé Sucrène. Oh le con. Merci Justum, merci beaucoup. Merci à ceux qui mettent les émotes dans le chat. Des émures. Sors silence, bah je vais rester. Allez, je vais te déboîte. Je veux dire, j'ai encore des progrès à faire. Non, vas-y, c'est clair, c'est clair. En te battant, je garderai mon nom à l'histoire. Ouais. Ça va être chaud, hein. J'ai encore 6 Pokémon moi derrière. 5, ok. Yes, tête de fer. Il va peut-être tenir, il a de bonnes défenses. Hein. J'ai rigolé en fait. Quelle heure ? Pense à quelle heure ? J'ai passé ma journée à la Terre Sauvage et hier à minuit pile tout a changé, d'accord. En fait la météo change tous les jours à minuit et c'est la même tout le temps pour tout le monde. Ah, on a tous la même météo ? Ah ça c'est intéressant. Doit y avoir erreur, c'est impossible qu'un champion de ma trempe perde face à toi. Vous savez que j'ai jamais fait de screen à aucun moment de ce gars-là en fait. Hein. Aucun moment. Je suis vraiment pire. Merci de m'avoir affronté. J'admets l'étendue de ta puissance. Ta titre de maître est méritée. Il n'est jamais simple de reconnaître ses faiblesses. Mais il faut le faire pour progresser. Je progresserai. Je deviendrai le nec plus ultra des dresseurs de type P. Sur seul devant ma pelle, j'ai un stade à remettre en état. Ah, voilà ce que j'appelle un combat plein de féerie. C'est tout ? D'accord. Votre ami, ça c'est côté pénible, mais il est redoutable. Il est déterminé comme pas deux. Même en étant disqualifié du défi des arènes, il a réussi à venir te défier en plein Pokémasters. Non, franchement, ça m'étonne même plus qu'il soit direct devenu champion d'arène. Il est un peu relou, mais ouais, bon. Il est carrément insupportable, mais c'est un super dresseur. Il est fort. Venant de la bouche du maître, c'est pas rien, comme compliment. Si vous avez l'intention de papoter encore longtemps, je vais aller me faire un thé, hein. Ah désolé, c'est bon, on a fini, allez, on passe à la suite. Ah, enfin, ouais. Enfin. Si les infos de Sonia sont correctes, il reste plus qu'un stade en danger, on y est presque. Faut pas abandonner maintenant. C'est le dernier appel. On monte sur CM une dernière fois et on termine ça. Moi, mon Grimalin, c'était un raid... Je crois que c'était un raid 3 étoiles. Je crois. Je regarde un coup. Je vais essayer de ne pas oublier de me soigner, hein, à un moment donné. Et donc là, faut que j'aille à Ludester. Merde, je me gourre à chaque fois. Soin holo. J'y vais. Ludester, soin into stade. Hop. Ok. 1h24, en vrai c'est correct, ça doit aller. C'était un 2 étoiles ? Merci. Salut Yoman !
Mais c'est cool du coup, je savais pas que la météo était la même pour tout le monde. On avait même pas remarqué d'ailleurs. Merci Thomas le Citron pour le follow. Bienvenue à toi, j'avais pas vu. Welcome. Bienvenue. Excusez-moi mademoiselle. Hop. Sauvegardons. 30 heures de jeu. Pas mal. Allez vite vous mettre à l'abri. Je n'ai pas le temps de m'occuper de vous, plus du reste. Eh, du calme, on est là pour aider. Oh, mais c'est vous. Je vous ai même pas reconnu. Le maître est là, vous, tout va s'arranger. Les 4 Pokémon Dynamax qui se déchaînent dans mon stab. Pour réfléchir à un plan d'attaque si on veut être efficace. Ne perdons pas notre temps en enfantillage, prenons un Pokémon chacun, là. Allons, sur le terrain de combat. Ok. Ok, et direct. J'ai même pas changé de lead, rien. C'est... Oh ! Momartic ! Archi stylé. Momartic, on peut pas le capturer, non ? J'ai pas le droit de le capturer ? Momartic, trop nice. Du coup, je suis pas... Oh, si, en fait, si. En fait, Sinistromax, ça devrait le déboîter, je pense. J'ai fini le jeu en 15h, il pue, c'est vraiment des mecs qui skill les cinématiques, qui font l'aventure qu'avec un Pokémon et tryhard leur dit, bon, on va faire presque... Parce que 30h, c'est normal. Oui, voilà, c'est ça. Mais après, c'est pas parce qu'un jeu fait 15h qu'il est nul, tu vois. Ça dépend du jeu, en fait. Merci, Phantom, pour les 10 bits. Vais me coucher, bonne nuit à toi, Phantom. Bonne nuit, merci d'être passé aujourd'hui. Et puis, prochain stream demain, je pense que demain, je re-streamerai de nouveau à 17h. Je pense. Au max, ok. Ouais, demain je pense que je restreamerai à 17h. On avancera le dex et on chassera peut-être un petit peu. Non, mais forcément, en fait, la question, encore une fois, n'est pas sur le fait de est-ce que c'est normal de skip les cinématiques. La question est si tu veux terminer le jeu rapidement, oui, tu skip les cinématiques. Voilà. Le mec qui veut faire le jeu rapidement, il va pas laisser les cinématiques, il laisse pas les animations de combat, il skip les dialogues, enfin voilà, du coup, forcément, il va beaucoup plus vite, c'est logique. Rassurez-moi, j'avais bien pris un screen de... Ouais, hein. Ouais, c'est bon. Eh bien, quelle histoire, c'est bon, vous êtes tous entiers ? Mais c'est vrai qu'on voulait lui faire une voix russe, mais j'ai jamais réussi, hein. On a eu chaud quand même ! Ah, chaud, vous avez compris, chaud, Arrête de glace, hein. C'est vraiment pas facile de s'occuper d'un Pokémon Dynamax tout seul. Oh, mais Holo n'a eu aucun rôle à le faire, enfin, c'est normal en tant que maître. Tu t'aurais pas mal tiré non plus, Nabil. Vraiment ? Oh, Nabil, t'es pas habitué aux compliments ? T'es rouge comme un scolocendre. Oh, ça va, hein ? Je vais m'en soin des Pokémon qui s'étaient dit à Maxé, ne vous inquiétez pas. Bien, je vais te donner ma carte pour te remercier. Ouah, trop sympa, quoi. Merci beaucoup. N'hésite pas en cas de besoin. Bon courage pour la suite. Yes. Ah. Je crois qu'on est bon. Quelle aventure! La situation est stabilisée dans tous les stades. On va pouvoir se concentrer sur les deux nazes. Ouais, il faut qu'on les retrouve en vitesse. T'imagines si on remet ça et qu'on doit tout recommencer depuis le début, l'angoisse. La prof a dit qu'elle allait essayer de les retrouver. Attendons d'avoir de ses nouvelles. Ah, je vous jure, ils rigoleront moins quand je les retrouverai. Moitié dingue. Oh, c'est Sonia, je parie. Bah vas-y, décroche. Ouais, allô, Holo, hein, c'est Sonia. Oh, je suis trop fort. Mes sources disaient vrai, hein, les deux clowns sont bel et bien au stade de Kikamam. Ils sont partis dans la salle du réacteur. Je devrais bientôt arriver à ouvrir la porte de l'ascenseur pour y accéder. Ce sera sans doute bon d'ici à ce que vous arriviez. C'est bien compris, hein. Rendez-vous au stade de Kikamam, dépêchez-vous. Elle est complètement entrée dans son rôle de prof. Elle nous donne des ordres et tout. Y'a pas de temps à perdre, on fonce au stade. Allez, go là. Go. On est presque au bout là, YouTube. On est presque au bout. Il nous reste deux choses à faire. Donc, on commence à en voir la fin là. Ça y est. Ça va faire bizarre en vrai de se dire, voilà, le niveau histoire c'est bon, ce nouveau Pokémon, on a fini quoi. Ça va faire tout bizarre. Alors qu'il y a encore 4 jours, j'avais encore jamais vu vraiment tout le jeu. J'avais. Voilà, c'est. Incroyable. Hop.
Ouais, j'aurais préféré un bombardique aussi. Ouais. Petit bombardique. Faut que je change Sucrène. J'ai pas envie de chercher pendant 15 ans. Salut Valdé, comment tu vas? Donc, est-ce qu'il n'y a pas un Pokémon vite fait là que je peux voir qui peut évoluer facilement? Pas trop relou. Vite. Par pitié. Au secours. Chauve-souris. Allez. Ah mais il évolue pas au bonheur lui. Bon tant pis. Allez. J'avais déjà vu le jeu avec les leaks. Mais non c'est pas pareil. T'as pas les visuels, t'as pas le sentiment que tu peux ressentir en fait quand il se passe quelque chose dans le jeu. T'as pas tout ce ressenti là en fait. Voir des lignes de code et jouer à un jeu c'est quand même différent. Même si t'as le contenu, mais si tu sais ce qui se passe. Non mais. Mais par pitié, parle-lui. Merci. Merde, vous êtes déjà là? J'ai presque fini. J'ai presque réussi à court-circuiter la serrure, mais il y a encore un truc qui coince et... Le chien va tout bouffer. C'est moi chien. Ah voilà. J'aurais pu faire ça depuis le début, mais non. C'est moi chien. Ah, la serrure s'est débloquée. La vole tout dessus. Merci pour le coup de patte, mon beau. C'est moi chien. Voici mon chien, ça c'est mon chien. Les deux nazes sont en bas, restons sur le garde. Eh bah c'est parti, cassez ta gueule. Ils sont là les deux Jean-Michel? Putain ils sont là. C'est quoi ces gens? Tiens, qui voilà? Ah, vous avez la raison de la serrure, hein. Vous avez même réussi à amener le calme dans le stade. Oh, bravo. Je tirerais bien mon chapeau si je pouvais en porter un. Enfin, c'est bien la moindre des choses au nom du maître. Mais brave, acclamez-le un peu, il a bien mérité. Il se passe quoi ici? La gênance. Oh, c'est clair! Hein, de te moquer de nous, et dis-nous plutôt pourquoi t'as forcé les Pokémon à se dynamaxer. C'est à cause de cette fausse légende que vous avez tous, la candeur de croire. Je vais vous dessiller les yeux, et vous révéler la véritable nature de Zacian et Zabazenta. Ah, de nous baratiner, Zacian et Zabazenta, on se régala. Silence. Non. Nous étions révérés, comme les dignes descendants du véritable héros de Galar. Nous. Vous étions célébrés. Et vous êtes arrivés, vous avez mis votre nez crasseux dans l'affaire d'Eternatos. Et voilà que l'on vous porte au nu, en tant que sauveur de Galar. La peste soit de vous, et de cette fille-fille scribouillarde, son torchon n'est que mensonge. Ouais, bien dit, ouais. Ouh, arriviste. À cause de vous. Les Pokémon sont traités comme des héros. Vous avez réécrit l'histoire. Écrit l'histoire. Et nous alors? Si ce sont les Pokémon qui ont tout fait, nos ancêtres seraient-ils des menteurs? Donc. Donc ton frère et toi, vous étiez vraiment les descendants des rois? Bien évidemment, nous l'avons toujours été. Et l'histoire, telle que nous la connaissons, est la seule version valable et acceptable. Qu'est-ce donc que cette manie de se mettre à inventer de nouveaux héros comme ça? Vous commencez vraiment à m'énerver, hein? Tout ce que j'ai écrit est vrai. Je suis persuadé que Zacian et Zabazenta ont protégé Galar de tout temps. Ah oui. Eh bien, nous allons voir cela tout de suite. Si ce sont de véritables héros, ils devraient rester maîtres d'eux-mêmes, quand bien même on les exposerait à du Galarion. Je vois. Quand ton frère et toi vous vous amusiez à tout dynamaxer, c'était qu'un premier essai. Quoi? Exposer Zacian et Zabazenta au Galarion? Non, on fait pas ça! C'est seulement maintenant que vous réalisez. Mon aîné est en train de finaliser toutes les préparations là-haut. On vous laissera pas faire! Trêve d'insolence, jeune fat! Jamais! Je ne vous laisserai gagner l'ascenseur. Il faudra d'abord me passer sur le corps. Eh ben, d'accord! Admire un peu le pedigree de mon équipe, je suis un dresseur de champions. Cassez ta gueule!
Jean Targe. Allez viens Jean Targe, je te déboîte. Salut Dauphinio. Comment tu vas? Alors. Non mais quand Goliath c'est win déjà. Désolé. Donc pas l'artichaut niveau 64. Attendez, là j'ai Jean Targe. Hein. Jean Targe. Donc il a un palartichaut niveau 64. Ça se voit que ce voice acting qui est en train de me buter la gorge. Yes. Chez. Niveau 64 c'est pas mal en vrai. Archéodong. Bon en vrai je peux rester hein. Archéodong niveau 64. Ok. Bon, Goliath préférerait faire du camping. C'était vraiment écrit ça. Hypnose. Oh non. Merci. Ok. Niveau 66 là. Amnésie. Ouais non. On sent rien 66. Incroyable. 201 de vitesse. Hexadron, on va rester. Donc Hexadron niveau 64. Choc émotionnel. J'ai offert un sub à quelqu'un et j'ai eu la notif que j'ai été remboursé, je comprends pas pourquoi. Peut-être que son compte a été supprimé. Peut-être. Peut-être. Clitty-click. Clitty-click, par contre, je pourrais pas le passer avec Angoliath. Donc, Clitty-click, niveau 64 aussi, j'imagine. C'est la chenille dans Mario. Eh, c'est la chenille! Ça, je connais bien. C'est comme Mario qui est comme Zelda qui est comme. Pokémon, finalement. J'ai eu besoin de nous presser, la pression. Oui, oui, oui. Clitty-click. Fouet de feu, au revoir. Tu auras pas ce sub. T'inquiète, Dauphinio, pas de sous, t'en fais pas. Quoi, c'est un sub que t'as fait là aujourd'hui ou c'est un sub que t'as fait quelques temps? Après, c'est peut-être parce que ça a trouvé personne, je sais pas trop. C'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre. Niveau 76. Nice. Bon, voilà, Jean Targe. Chez. Oh, mon noble Pokémon! Ah, tu l'as fait le 11 et c'était passé en stream ou pas? Comment oses-tu, Maro? C'est bon. Ah! C'est bon, on les a tous expédiés! Vite, au toit! Ah! Oh, c'était quoi ce cri? Mon aîné a réussi. Faut qu'on monte. Ouais. C'est passé en stream, ok. Non, bah peut-être que la personne a clôturé son compte, peut-être. Ok. Eh bien, sauvegardons. Eh bien, sauvegardons. Hop. Et, Ouais, si, montons. Ah. Ça, c'est le bruit du ki, je reconnais ça. C'est le bruit du ki dans Dragon Ball. Dragon Ball Z. Victoire, j'ai réussi. Mon puné, j'ai réussi. Le voilà, attiré par les verrouillés. Et je l'ai exposé au Galarion. Mais arrête, je vois pas comme Zacian souffre. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Si je l'avais pas laissé piquer les verrouillés. En avant, vile créature, montre-leur ton vrai visage. Nous allons voir qui sont les usurpateurs. Oh! Mon aîné! Mais enfin, sombre bête! Ce n'est pas moi qu'il faut attaquer, mais toute la plèbe dehors! Oh! Oh, il essaie de résister au Galarion et de se calmer, hein, mais il n'arrive pas à se maîtriser. Oh, Zacian, tiens bon! Je proposerais bien qu'on essaie de le calmer comme on a fait pour les autres. Mais c'est un Pokémon légendaire, ça va pas être la même histoire.
Et parlons même pas de le capturer, c'est juste impossible. Ah, faut être réaliste, si l'un de nous a une chance d'y arriver, c'est toi, Holo. Vas-y, on protégera les gens si besoin, toi occupe-toi juste de calmer Zacian. Attention, il arrive. Eh ben yes, c'est parti. Merci Dauphinio pour le sub que tu as offert à Brocoli Spatial. Brocoli Spatial, c'est son deuxième mois de sub. Merci beaucoup pour ta générosité. C'est cool. Salut Tritis. Hi Tritis. Yeah, my viewers will contact you via direct message if they have one for you. Welcome. Ok. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Peut-être que ce Colossandre sera plus intéressant sur ce combat. Ouais, je pense. On va envoyer ce Colossandre. Pas de musique, ça fait trop bizarre. Il a des saucisses sur la tête. C'était résisté, hein. C'était résisté. En fait, c'est pas mieux, mais juste je résiste à ses attaques, quoi. Un chouï. Bonsoir. Ah, je sais pas pourquoi il y a pas de musique du tout. C'est étrange qu'ils aient pas une musique. Il y a des petits sons hein, des fois mais dans Slam. Il quel type Zacian il est type fait. Il va tellement prendre cher sur sa prochaine attaque. Ouais, c'est dommage qu'ils aient pas mis ça vite dramatique. Possible. Oui, c'est fort possible. Salut Yasuo. Mais ça contraste vraiment beaucoup avec tout le reste, quoi. Non, là il est juste fait, hein. Il est pas fait acier. Zacian, ça va? Mais bien, attention! Zamazenta! Ah, il parle. Ah, merci Zamazenta, tu m'as sauvé. Oula, 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 oh. Ah, j'ai mal. Ah, j'ai mal à mon animation. Ah, j'ai mal. Ah. Ouh. Ouh, ouh. Ah, aïe, 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 ouh. Ah, il arrive toujours pas à se contrôler. Ah, c'est terrible. Il faut qu'on suive Zacian pour l'aider. Et toi, rends ça, ça appartient à Zacian. Oh. Très naturel comme rotation. Oula, oula. C'est... Oh, ça... Oh, je sais pas. Oh miséricorde. Oh pitié, ayez pitié, épargnez mon aîné. Zamazenta. Oula, oula. Non, tourne pas sur toi-même, s'il te plaît. Non. C'est ce qu'on appelle gérer une crise de main de maître. Regarde-moi ça, on dirait qu'il t'attend. Ça, c'est mon chien, chien. Ça, c'est mon petit chien. Ça, c'est... mon chien. Ah, c'est dur, là. Là, le sprite, la rotation, elle est un peu... Ouh, ça fait mal, quoi. C'est... Bon, en vrai, ça sert à rien que je fasse ça, je vais lancer le combat, donc... Let's go. Ah. Zamazenta vous observe. Voulez-vous armer
Voulez-vous vous armer du bouclier rouillé pour capturer Zabazenta? Si je dis non, ça fait quoi? Oh là là, ce swag! Un mothique! Égide inflexible. Sa défense augmente, ok. Eh ben, il est stylé quand même. Du coup, super efficace pour mon petit point. On va faire ça, je me prends une attaque acier, je vais mourir. Je le sais déjà, mais bon. Aegis Maxima. Salut! Zblu! Au revoir! Il m'a tellement one shot, quoi! Quel enfer! Ouais, on va envoyer un Pokémon, hein. On va envoyer un autre truc, on va envoyer. Ah, mais mon Scolossandre est mort! J'adore ma vie! Donc, lui, il est combat acier. Combat acier. C'est chiant, hein, combat acier en vrai. Surtout pour l'affaiblir en fait, ça va être chiant. Salut Tran, comment tu vas? Ouais, bah level 110, bah oui, bah c'est légendaire, hein, les gars, vous attendez à quoi là? Bah, Big Splash en vrai, ça va faire 0, il a des grosses défenses. On va Bec Vrille. Tranche, ça va faire 0. Yes. Bec Vrille, ça va faire genre 20%. Salut Eclipse! Non, mais j'imagine que la capture est facile. Jure de faire. C'est ridicule les dégâts que je fais, quoi. Non, mais ça va aller, Corvallus, t'inquiète. Non, mais me dites pas par contre que, genre, si j'envoie une Pokéball, c'est fini. Hein. Attention, tout de suite, la vérification. C'est bon, tout va bien. J'ai eu peur. Quand même pas à ce point, ça va. Mais pourquoi vous me dites tous, genre, attrape-le comme si j'allais pas le faire? Qu'est-ce que vous pensez que je suis en train de faire, là? Hein? Je t'ai redit bonjour, Itran. Je suis bourré? Je voulais dire bonjour à quelqu'un d'autre, peut-être? Je sais plus. Ulbison! Bonjour, Ulbison. Non, mais là, je fais 0 dégâts, c'est terrible, en fait. Ouais, non, mais là il a plus 12 000 en défense, c'est juste débile en fait. Je vais arriver avec un autre Pokémon, je vais le déboîte, je vais m'en vouloir. Ouais, il a dû perdre à peu près 5 PV là, je pense. Mais pourquoi vous voulez que j'utilise la Master Ball? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies là actuellement? Vous êtes stressé à ce point là? Ça va aller, hein? Ça va aller, vous inquiétez pas. Hein. N'ayez pas peur, vous êtes entre de bonnes mains. Je suis un chasseur averti. Je sais faire les choses, je vous jure. Là, j'ai juste très très peur que tir de précision le but, mais je pense qu'il y a à peu près aucune chance. Vu les défenses du bordel. Par contre, il fait des dégâts de ouf. Hein. Je sais pas combien il est en attaque ou. Mais... Ouais, ça va. Même avec un crit. Avec un crit, ça passe. Machou, il devrait pas me terminer. Pas me laisser à 20 PV. 37. Ah, j'ai un léger décalage son, je crois. Très léger. On va tenter le X-Ball. Non, c'est bon. Super. Non, l'autre est pas capturable. Allez, Zblu. Au revoir. Il est 5 IV. Il est 5 IV? Légendaire? Non. 3 IV à 31 comme d'hab, non? Minimum. Vous voyez, Corvallus, il tenait bien tout à l'heure les coups. Et on va enchaîner les Luxe Balls. Hein.
Allez, j'en ai 22 là, ça va rentrer. Je suis convaincu. Il a pas l'air de vouloir se laisser faire quand même. Hein. Aïe 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 aïe. BTDR, le Shady Hunter, il a ni fauchage ni cage éclair. Et vous avez quoi ce soir en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ça va dans vos vies, ça se passe bien ou pas? Je vous rappelle que c'est l'aventure en fait. Et que du coup, j'ai pas. Enfin, on n'a pas besoin en fait de moquer avec fauchage. Ça va, ça se passe bien chez vous ou c'est compliqué? N'hésitez pas, hein. N'hésitez pas à regarder le stream en plein écran aussi, hein. C'est jamais, hein. Utilisez un petit capture. Ouais, je vais faire ça, je pense. Petit capture, ça me paraît être le meilleur plan. On aurait pu avoir un Kelorior au petit pour la capture quand même, ouais, j'avoue. J'aurais pu quand même prendre le temps dans mon aventure pour prendre un Kelorior avec les bonnes attaques. Ah oui, mais Kelorior est pas dans le jeu, ouais, c'est chiant. Mmh. Je sais pas comment j'aurais pu faire. Surtout que j'essaye de le capturer à la Lux Ball, quoi. Donc bon, calmez-vous, quoi. Calmez-vous. Parce que en plus, je crois que c'est les mêmes personnes qui juste avant me disaient: mais utilise la Master Ball! Utilise la Master Ball! Calmez-vous, n'ayez pas peur, ça va aller, hein, je vous jure. Ah! Ouais! Tu as vu de nouvelles techniques de chasse dans Sword and Shield? Il y en a une nouvelle, oui. Dont on parlera après ou demain. En fonction. En fonction. Pour les punir, tu peux reset et lancer full Pokéball sans lui faire perdre de PV. Le stream n'en sera que plus passionnant. Quel enfer. Mais en vrai, c'est bien qu'ils aient mis un légendaire. Parce qu'on s'en plaignait dans les générations d'avant. On disait oui, légendaire, tu captures la Pokéball direct, ça passe. Bon bah là au moins ou alors j'ai vraiment pas de moule. Mais là au moins c'est un peu plus correct. Les os ça éclose super vite, j'ai l'impression. D'accord, nice. Bon, ça veut pas, hein. Mais j'ai pas envie de lancer une autre balle parce que je voulais l'avoir dans la luxe, quoi. Après, si quelqu'un veut expliquer les méthodes de chasse à Foxit, n'hésitez pas. Tu n'as pas d'honor ball, c'est le même taux de capture, ça change rien. Voilà. Yes. Est-ce que c'était compliqué? Évidemment que non. Lame d'air, oui, on va la prendre. Allez. Hop. Le taux de la luxe est nul aussi. Bah c'est le même taux qu'une Pokéball. C'est un taux x1, c'est basique. Hop. Donc Zamazenta, 210 kg, 3 mètres de haut. Ce Pokémon changé en statut est resté pétrifié si longtemps qu'il a failli tomber dans l'oubli. Que voulez-vous faire du Zamazenta? Alors on va consulter le résumé de Zamazenta. C'était pas censé finir ce soir ton let's play? Tu as pris du retard avec les plaines sauvages? Si, c'est fini là en fait de finir. Donc le bouclier rouillé il le tient. Ouh, ah oui. Ok. Augmente la défense du Pokémon quand il entre en combat. Tête de fer, pourquoi il m'a fait 15 fois tête de fer? Attends, je me suis même pas rendu compte, quoi. Franchement, chouille muraille. Ok. Assuré de nature, c'est immonde par contre, hein. C'est dégueulasse. Au secours. L'envoyer vers boîte PC avec le Pokémon. Ok. J'aurais dû le mettre dans mon équipe par contre. Je pense que j'aurais dû le mettre dans mon équipe. J'aurais peut-être dû faire ça. Incroyable, hein. C'est comme si le véritable roi de Galar t'avait reconnu digne de lui, hein. Ah. Quel sublime combat. Tu as remis bien des choses en perspective. Bien que nous nous préoccupions que de savoir qui avait sa place sur le trône. Nous étions bien frivoles, j'ai honte de nous. Dites donc, le chevelu. C'est toujours assez impoli à ce que je vois. Je sais pas à quoi je m'attendais. Mon puinet et moi-même sommes prêts à subir la punition encourue pour nos crimes. Conduisez-nous donc à l'endroit le plus approprié pour que nous puissions faire amende honorable. Si vous voulez vous faire pardonner, un conseil, commencez par être poli. Un poil moins hautain. Non mais franchement. Holo, je crois que je suis... Oh là là, je crois que je mesure enfin toute ton envergure. Une digne du titre de maître. Cela dit, j'aurai un service à te demander. Oublie-moi un peu, ok? A chaque fois que je t'accompagne, c'est des ennuis sans fin. Bah merci, Peterson.
Professeur, je sais que je suis pas digne d'espérer votre pardon. Sachez toutefois que je suis vraiment désolé d'avoir trahi votre confiance. J'avoue que ça me fait mal, quoi. Sur le moment, je me suis dit, oh là là, ma besta, quoi, je l'ai plus, elle est partie, ça y est, hein. Mais merci pour la leçon. Ça sonne un peu aigri, dit comme ça. Bonne continuation, professeur. Je vous souhaite une longue carrière. Bon, faisons le point. Les deux tocards sont hors d'état de nuire. J'espère que Zacian va bien. Ah, c'est ton motif smart ou le mien? Ah, c'est le tien. C'est de la BR à tous les coups. Hey, holo, c'est moi. En fait, hey, du calme. T'as entendu? Bon, t'as entendu? Je suis avec Zacian. Tout va bien? Ouais, mais Zacian, c'est un peu la pagaille dans la forêt de Slipwood. J'essaie de le calmer, mais je galère. Tu peux venir me donner un coup de main? J'attends dans la forêt. Ah là là, ce Nabil. On s'ennuie jamais avec lui, hein. Mais quel enfer, stop. Bah, on dirait que Zarazenta se fait du souci dans sa Pokéball, hein. Nabil, les anciens nous attendent dans la forêt de Slipwood. Allons vite les rejoindre. Oh oui, vite, un GCAT. Alors, je vais quand même pas faire le sac à merde, et je vais enlever Chauve-souris de l'équipe pour remplacer par... Hop, Zamazenta. Yes. Bon, j'aurais pu le mettre en lead aussi. J'aurais pu soigner les Pokémon aussi. Bon, ça... Non, ils vont soigner. Regardez. Je prends le parti de ne pas me soigner. Et on verra. S'ils me soignent pas, et ben chais. Forêt de Slipwood. Ah, mais en vrai, je me soigne, non? Une petite sauvegarde. Ouais, je fais une sauvegarde. Si on perd un raid pas shiny et qu'on le retente, le Pokémon peut-il devenir shiny? En vrai, j'en sais rien. En fait, faudrait regarder à un moment donné si les talents changent entre les deux combats. Si ça peut changer, en fait. On va voir ta mère à sa baraque. À sa baraque. Donc là, je suis dans ma baraque, et donc je parle à ma mère. Il faut deux comptes différents pour s'envoyer des Pokémon. Il faut attendre le Pokémon 1. Et bonsoir, Elfanak. Sinon, il faut que t'aies un pote avec la Switch, quoi. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Ah, YouTube, 2 heures. 2 heures déjà. Salut, ça va? Putain, allons-y. Parti pour l'aventure. Mais non. Non, c'est toujours le même Pokémon. Ok. Merci pour les infos, VIP. Oui, sinon, ça aurait été trop simple de reset, en fait. Oula. Putain, j'étais pas prêt. Ça va te faire soigner, c'est comme dans Skyrim, si tu te fais pas toucher, tu meurs pas. C'est vrai. C'est vrai. Merci GG pour la bise, j'ai suivi l'aventure du début à la fin, le jeu me donne envie de ouf. Bah, j'espère que ça t'a plu du coup le let's play. J'espère que le let's play était sympathèque. Par lui à te faire de chemin, mais non. Mais non. Non mais tant pis, j'ai pris le parti d'y aller moi-même. Je suis un grand garçon moi, j'ai pas besoin qu'on m'accompagne. C'est par là. Putain. Ah. Hi Amanda. My French viewer will contact you if they got one for you. Welcome on the stream. I hope you had a good day. Pokéball fait les étincelles, parce qu'il y a un motisma dedans. Là. Au fait, il y a eu du neuf, les Pokémon incapturables sont bien shiny lock, sauf les 200 rencontres scriptées un peu partout dans les routes, ils ont oublié de protéger. Oui. On sait. Mais moi, ce qui me fait rire, c'est que les gens au début ils gueulaient parce que tout était shiny lock, et maintenant qu'on apprend que finalement il y a des trucs qui sont pas shiny lock, les gens sont en mode lol, en fait ils ont oublié lol. Bah, bon. Finalement, les gens sont jamais contents. Enfin, j'ai l'impression que les gens sont jamais contents en fait, finalement. C'est quand même vachement dommage. Doucement, du calme! Putain, Nabil s'en sort pas, hein. Ça va être compliqué, Zacian, je te le dis, hein. Ça va aller, tu peux le faire! Tu peux reprendre le contrôle! T'es pas le sauveur, mais galère pour rien! Ah oui? Et il l'a sifflé, là, on dirait. Ah, tu vois, tu y es arrivé! Oh, Nabil, ça va, tu as l'air crevé, hein. Vous voilà, j'essayais juste de calmer Zacian.
Y'a que toi pour te dire que c'est une bonne idée d'essayer de calmer un Pokémon légendaire. Déchaîner à main nue. Oh, il a l'air content. Hein. Ouais, bon. Je te cache pas qu'au début, j'en ai pas large. Hein, sérieux, t'es sûr? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit qu'il m'aime bien et qu'il veut devenir mon Pokémon. Oh waouh, mais c'est super! Ah, tu es vraiment sûr? Genre sûr et certain? Dans ce cas, y'a du courage, hein. Chef! Il lui a balancé dans le pif. Secours, quoi. Hop! Yes! Ouah, je suis trop bluffé! En perso, j'ai encore un peu de mal à réaliser! Mais je me sens sérieusement remotivé! Holo, j'ai un service à te demander! Désolé, je vais faire mon Travis à m'accrocher jusqu'au bout comme ça, mais on peut se faire un combat! Après tout, c'est ici que tout a commencé! Autant boucler la boucle! Oh, la musique est sympa! Dommage, elle s'arrête. Alors, la musique était sympa, dommage que voilà. Ouais, je suis prêt, vas-y. Vas-y. Trop stylé. Et pour une fois, c'est ton rival qui a le deuxième légendaire. C'est la première fois que ça arrive. Mon mouflon. Ah, j'ai mon lit Zamazenta. Salut, Clo. C'est parti, Holo, ne retiens pas tes coups. Yes. J'ai pas compris, Yasuo. Alors, bah là, ouais, j'ai pas grand. Ah, il est niveau 69 son mouflon, mais au secours! Au secours, quoi! Mais qui s'arrête? Mais oui, il était si bien! Je suis deg! Elle avait l'autre dans noir et blanc. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non. Ah. Oh, ça va être chiant. Je vais tenter un fouet de feu, mais ça va être chiant. Quand tu regardes, ah là là, il a plus 6 en défense. Je vais même pas lui faire la moitié. Même pas. Même parce que j'ai des gars x2 quand même, mais mais là, il a plus 6 en défense, c'est impossible. Ah, ça passe jamais. Oh. Ok. Alors, pour ceux qui auraient pas suivi, qui vont me dire, ah, comment ça, x2, holo parce qu'il a le talent. C'est quoi? Boule de poil? Qui augmente sa défense, mais qui le rend sensible aux attaques feu. Une fois une attaque SP, super. J'ai capturé mon premier Scolossandre, Gigamax en raid solo, et bah GG Freezy, t'as réussi à le faire en solo quoi. Aïe, aïe. Mais attendez, mais ce combat il est atroce en fait. Mais dans le canon, hein, sinon ça passe jamais en fait. Bon, faut que ça passe, allez c'est parti. C'est bon, ça touche. Ça tue même pas, Damoclès. Bon bah je meurs mais toi aussi hein. T'as son mouflon, il aura réussi à me buter un Pokémon. Il m'aura buté un Pokémon ce con. Il aura réussi à me buter un Pokémon ce con. Pendant tout le let's play il aura réussi une fois. Alors bah je sais pas qui il va envoyer derrière donc Scolossandre. Dans la logique où c'est ce qui touche le plus facilement. Tiens la précision ça ignore pas les augmentations de stats. Les augmentations de stats, elles étaient sur la défense. Et l'attaque que j'utilise, c'est sur la défense P qu'elle tape. Hop, il me faut une attaque combat ici, j'ai envoyé mon Emboliath. Enfin, j'ai un peu peur, c'est vrai qu'il a tacle lourd. C'est vrai qu'il a tacle lourd. Je vais fouiller de feu pour voir les dégâts. Ah ouais, c'est pas ouf. La défense baisse, ça c'est cool, séisme. C'est neutre, c'est pas stabé. Ça va. Sa défense a baissé, donc je vais faire de plus en plus de dégâts. Oui, j'ai vu l'animation d'Ultra Laser, Dimitrov. Je l'ai vu. Zamazenta est combat. Oui, mais il a pas d'attaque combat. On flex Isogress. Sûrement. Très certainement, oui, en plus. Parfois, c'est bien la pêche devant la maison de la vieille. Oui, normalement, oui, mais c'est 1%. Donc, bon courage.
Watapic. Watapic, vous m'avez toujours dit que c'était électrique et je m'en suis jamais sorti parce que j'ai pas d'attaque sol. C'est un enfer. On suis jamais sorti avec ce Watapic, hein. C'est horrible. Hein. J'ai envoyé lance rien. Ouais, le 1% à la pêche, il fait bien mal. Hein. Sérieux. Oh, la VOD de 2h pour YouTube là. Quel plaisir. J'ai même pas noté son équipe en fait. J'en suis où là? Mais non, c'est la même. Mouflon, Ronflex, Watapic. Ok. On va dire qu'aux flèches. On va faire quand même de gros dégâts. Putain, mais il est en avance sur moi sur les niveaux finalement. Heureusement que ces Pokémon sont tout pourris. Hein. Salut H. Quand même. Putain, c'était résisté. C'est Barpo, le 1%. L'endroit pour les encens, c'est Skiford. Le marché de Skiford. Oui, ce dragon-là, il est génial. Il est vraiment génial, je trouve vraiment ouf. Et donc, Corvaeus, on va envoyer... Ah là là, ouais, mais il va m'outspeed si j'envoie ce Colossandre. On va essayer. On va essayer d'envoyer ce Colossandre. En vrai, c'est une mauvaise idée, je devrais garder ce Colossandre pour son Zacian. Ah non, d'accord. Le niveau 69, ouais, je pense pas que je vais l'outspeed et en vrai, je vais me prendre un rapace et je vais prendre hyper cher. Mais tant pis, c'est la vie que j'ai choisi, visiblement. Ah, j'outspeed, ok. Il est pas mort, quel enfer. Bon, s'il fait rapace, il est mort, évidemment, mais bec brille. Au revoir. Ah, même pas. Putain, mais ce Colossandre, c'est vraiment un monstre. C'est ouf, hein. C'est ouf. Ce Colossandre, vraiment, c'est la grosse surprise pour moi de cette génération. Re, Okami. Pyrobut, mon Lézargus est mort. Il est décédé. J'ai pas grand-chose contre Pyrobut, en fait. Bah au pire on sait rien. Allez, toujours pas fini l'endgame. Là on est sur le dernier combat. Enfin on est sur le post-endgame. Et on est sur le dernier combat. Pyrobut. C'est son dernier Pokémon, je sais plus là. Non, il en reste encore un derrière. Ok, donc Dracoflèche. Dracoflèche tellement fort. Il est au 70 son machin. Ballon brûlant. Ah, c'est résisté. J'ai quand même pris cher. J'ai quand même pris bien cher, Ross, quoi. Il a Zacian Amnesiman. Oui, en plus, je viens de le dire juste avant. Je l'ai dit juste avant qu'il fallait que je garde ce Colossandre pour son Zacian. Bavard, ce grand bâtard! Mon Lézargus qui est tellement décédé en poule, quoi. Donc Zacian qui va être de type fée-acier. Fée-acier, il aurait fallu que mon Colossandre soit en meilleur état, quoi. Je pense qu'il va se faire outspeed. Et même dans tous les cas, je vais pas le one-shot, quoi. Et si on part sur Plaisabazenta, ça va être un combat de Tardos. Je peux pas rester avec le Lansaurien. Prendre Corvaeus éventuellement. Tête de fer, ce sera neutre. Combat sur Féacier, comment ça? Ce sera neutre. Salut Fromi, comment tu vas? Allez, vas-y, je sais même pas ce que j'ai répondu, mais ouais, vas-y, ouais. Énorme. Ils sont en. Allez, c'est parti. 2h10 de vidéo. Nice. En skin. Yes, salut. Merci Alex pour les 7 mois de sub. Merci beaucoup. Merci pour la fidélité. Ça fait plaisir. Et bienvenue, re-bienvenue à toi. Re-bienvenue. Et ils sont chaînés sur AGSS, GG Laura. GG. On va tenter un tête de fer, voir. Éclair fou. J'ai pris si cher.
Clairefou, j'ai aucun switch-in en fait. J'ai vraiment aucun switch-in. À la limite, ce que je peux faire, c'est mongoliser en me soignant à l'infini, comme ça il se prend des dégâts sur Clairefou à chaque fois. Mais... je vais peut-être essayer de faire un truc à peu près correct quoi comme move. Écoutez, je vais rester quand même, je vais encaisser, il va prendre des dégâts. Et je vais tenter ce Colossandre en espérant outspeed, mais je pense qu'il y a vraiment aucune chance que j'ai outspeed. Hein. Vraiment. Oh, si je l'ai outspeed, enfin ce serait vraiment bizarre. Avec juste 6 niveaux de plus d'outspeed de Zacian, ce serait bizarre. Ouais, voilà. Eh hey mal. J'ai si mal. Chasser mon mouton avec la nouvelle méthode, j'ai fait 103 rencontres dans un premier temps, avant de calculer le taux de la méthode à la main pendant plus d'une heure, puis à la 104ème rencontre, juste quand je reprends, il tombe en shiny. Plutôt drôle, non? Est-ce que tu t'es insulté ou pas? D'avoir attendu autant de temps. Enfin, d'avoir attendu pour compter et finalement l'avoir direct. Et du coup là, Vampire Point sera neutre. Mais je vais prendre... Ah oui, il m'a outspeed complètement en fait. Tu sais que je suis en train de me faire défoncer par Nebel. Au revoir. Nabil est en train de m'annihiler. Mais heureusement j'ai Zamazenta, donc tout va bien. Yes. Là ma défense elle est au max, tu peux rien faire. Aegis Maxima, c'est parti. Close combat. Mais quoi? Et pourquoi lui la close combat et que moi j'ai que de la merde? Oh ça m'énerve. Oh ça m'énerve. Ah bah là c'est mort. Enfin c'est mort pour lui, il a perdu en défense. Et paf. Blu. C'est bon il est KO. Wouh. Et bah c'était pas évident. Mais moi j'ai tête de fer, lui la close combat quoi. Tête de fer quoi! Close combat! Au secours! Avec toi et mon frangin, pour me soutenir, je sens que je vais devenir encore plus fort, merci! Ah, c'est la fin, YouTube! C'est la fin! Ah, t'es vraiment pas le maître pour rien, bravo! Mais je sais pas, contrairement à toutes les autres mois, je me sens soulagé et bien même! J'ai perdu, et alors, c'est pas grave! Holo! Je crois que j'ai trouvé quel est mon vrai rêve! Je veux aider les Pokémon qui souffrent. Et pour ça, il faut que je sois incollable sur les Pokémon et leur comportement. Donc j'ai pas le choix. Il faut que je devienne professeur Pokémon. En fait, je l'ai compris quand on faisait le tour des stades pour sauver les Pokémon. Je voulais les aider, mais je savais pas par où commencer. J'ai réalisé que j'avais des grosses lacunes, en fait. C'est pour ça que j'ai tant galéré à trouver comment équilibrer mon équipe aussi. Donc, je vais étudier comme un ouf. Je veux tout savoir. Et un jour, je serai professeur. Vous serez fiers de moi, toi et Sonia. Je pourrais plus me consacrer aussi sérieusement à la compétition. Je vous laisse ça, toi et Atarak. Et j'espère que dans ton cœur, je resterai toujours ton rival. Bah bien sûr, hein, rival un jour, rival toujours, hein, allez, l'amitié, tout ça, FDR. Voilà, allez, paf. Pour la vie, ouais. Allez, là. Oh là là, est-ce que vous êtes adorables, vous êtes trop champignons, tous les deux. Hein. Je vais finir par lâcher une petite larme, ça continue, ouais. Bah alors, Sonia, tu t'attends donné que l'âge? Pardon, je te signale que je suis encore jeune. Dis, Nebel. C'est de gérer de bosser au labo avec moi. Oh! Si ton objectif c'est de tout savoir sur les Pokémon, y'a pas mieux. Et comme tu veux devenir professeur Pokémon, je peux te former, hein? Oh mais ouais, mais trop! T'es sûr? Absolument! Et puis, je n'ai plus mon assistante, tu vas avoir du pain sur la planche! Oh! Ah mais en fait, tout ce que tu veux c'est un larbin, pas grave, ça me fait pas peur, hein! Oh je resterai ton fan numéro 1, j'espère que ce sera réciproque! Merci pour la carte rare, Nabil. Bravo. Oh ouais, bravo. Ouais. Un splendide combat, quel échange émouvant, je suis tout bouleversé. J'avoue très bien que ce combat était super, c'était un échange touchant. J'en ai marre, j'en peux plus, et puis Johnson. Et Frangin, il se passe quoi? Bah qu'est-ce que vous voulez encore, vous deux? Cessez vos piailleries, jouvencelles. Nous sommes venus voir Holo. Ils disent qu'ils ont pas pu s'excuser correctement la dernière fois. Ah, moi aussi, je suis là pour les tenir à l'œil et vérifier qu'ils ne s'écartent pas du droit chemin. Ce sont les héritiers des rois de Galar après tout. Il faut qu'ils s'en montrent dignes.
D'ailleurs, je veux bien que vous me racontiez les détails. On dirait que j'ai loupé pas mal de choses pendant que je prenais les affaires du président. On s'est arrêté un de ces trucs, ces deux bons-là sont forcés les Pokémon à se débaxer partout. Oui, bon, nous avons une obligeance de venir nous excuser et de nous accabler. Tout à fait, sachez que nous sommes profondément contrits d'avoir fait du mal à des Pokémon innocents. Malgré cela, Holo a fait preuve de Quoi ? De mansuétude. Bon. Hein ? Mansuétude à notre égard. C'est un comportement digne d'un roi. Ah, vous êtes bornés ou quoi ? Les vrais rois, c'est Zacian et Zamazenta. Oh, sûrement pas. Nous avons eu la bonne grâce d'abdiquer. Holo se doit donc de monter sur le trône pour que notre sacrifice ne soit pas vain. Et quitte à abdiquer, autant le faire en faveur du personnage le plus important du royaume afin que notre honneur soit sauf. Bah Holo, je pige pas trop ce qui se passe sous leurs cheveux, mais je crois qu'il t'aime bien. Sur ces bonnes paroles, il est temps de partir. Nous allons entamer un tour de gala pour saluer le bon peuple et nous excuser accessoirement. Sur ce, adieu. Bah revenez ici, je dois vous surveiller. Nabil. Frangin. J'ai vu ton duel avec Holo. T'es devenu super fort, franchement je suis trop fier de toi. Tu as trouvé ta voix, Nabil. Nabil, tu as tout mon soutien. Et je dis pas ça juste parce que je suis ton grand frère. Tu es un super dresseur maintenant. Merci frangin. Oh. La pose drac au feu. Bleh. Dégueulasse. Atarak est un peu avare de compliments, mais les cerfs valent leur pesant d'or. Ça va, Nabila, t'es tout rouge. Oh, ça va, hein, arrête de te moquer de moi, Sonia. Bon, on se rentre. Ouais, on fait la course, à qui sortira en premier de la forêt? Ah, on court, on est tous très contents, on est trop des amis. Merci Zerful pour le sub. Merci pour le début de la fidélité. Merci beaucoup pour les 2 mois. N'hésite pas à utiliser les émotes, évidemment. Fin, cette fois, c'est la vraie fin. C'est la vraie fin du jeu. Ça y est, on a fini. On a fini le jeu. Il n'y a plus rien à faire. À moins que... Peut-être. Peut-être reste-t-il des choses encore. L'aventure n'est pas finie. Parcourez Galar à la recherche de nouveaux Pokémon à adopter. Ou rendez-vous à Winscore pour vous mesurer au plus redoutable des dresseurs dans le tournoi. Ou la tour de combat. J'ai screené ma Solus. La tour de combat. Yes. Et là, évidemment, vous apprenez qu'il y a une tour de combat. Normalement, évidemment, vous savez tous déjà. Il y a une tour de combat. Alors, on me dit d'aller chez Nabil, je sais pas pourquoi, on va aller voir. Mais il y a une tour de combat dans laquelle vous pouvez gagner des... Enfin, en fait, voilà, vous faites des combats, vous gagnez du niveau, vous montez d'étage. En fait, c'est là où était la tour Chéroz. À la place de la tour Chéroz, maintenant, il y a une tour de combat. Quand vous gagnez de combat, vous gagnez, vous montez de niveau. Et plus vous montez de niveau, plus les combats sont difficiles. Et je sais que vous débloquez notamment, on me l'a dit, je sais plus qui me l'a dit, je crois que c'était Corporal Queen ou VIP. C'est comme ça qu'on débloque le juge des IV, sachez-le. Le juge des IV se débloque dans la tour de combat quand vous passez le 6ème niveau, si j'ai bien compris. Voilà. Dans la chambre de Nabil, il va y avoir une surprise. Dans la chambre de Nabil, ah, c'est là-haut. C'est moi, c'est VIP. Et du coup. Chambre de Nabil, c'est où? Ah, c'est là. Ah, ok. Ok, du coup, j'imagine que c'est comme ça qu'on récupère le Salamèche. Je vais sauvegarder un coup. Ça, je pourrais reset. Ah, nice. Cher Holo, je souhaite t'offrir ce Salamèche très spécial, vivement qu'on s'affronte de nouveau. Bisous. Bisous. Tarak. Mais où est... Mais putain, mais j'ai encore screen ma Solus, mais c'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer. Salamèche obtenu. Hop, prendre des screens. Donc sachez que c'est là, hein. C'est là qu'on chope Salamèche. Si c'est la mèche. Il va être dégueulasse le mien, regardez. Regardez, hein. Regardez bien. Eh ben, il est jovial. C'est bien jovial. Enfin, ça passe. Enfin, quoique maintenant, vu qu'il n'y a plus la... vu qu'il n'y a plus la méga X, compliqué. Bon, il peut gigamaxer. C'est à noter. Il a le talent brasier. Mais je pense que je vais reset ça. Hein. Voilà. On en veut un timide, évidemment. Et bref, YouTube. On va s'arrêter ici pour cet épisode. C'était le dernier épisode de cette...
de cette aventure. Donc à moins que je refasse quelques tutos, mais je pense que dans tous les cas ils sont sortis avant que tu vois ça. Donc j'espère que ça t'aura plu. Encore une fois, je suis pas très à l'aise avec le format Let's Play. J'ai voulu le faire cette année pour tester un petit peu, voir ce que j'étais capable de faire dans ce format là. J'espère que ça t'aura plu. J'espère que ça te donnera envie potentiellement d'en voir d'autres. Actuellement je suis encore en train de faire un Let's Play sur Zelda, si jamais tu veux aller voir. C'est à peu près la même ambiance. Un peu plus délire peut-être parce que c'est moins carré comme format en termes de progression. Mais voilà, je t'invite à aller voir un petit peu les autres Let's Play que je fais, donc notamment Zelda du coup, et les aventures à Galar. Ça arrête ici pour le Let's Play, mais pour la chasse, pour la stratégie, pour la tour de combat, pour les raids, tout ça, ça va continuer en live. Donc n'hésite pas surtout à nous rejoindre sur les streams. Mes horaires sont disponibles là-bas quand tu cliques sur programmation. Et je stream quasiment tous les jours, hein, sauf le samedi. Et voilà. Voilà, voilà. Pas mal de choses qui nous attendent encore. On va tester un petit peu la méthode de chasse. Dans tous les cas, je t'aurais sûrement fait une vidéo au moins d'un shiny. Et peut-être aussi de l'explication de la méthode, quoi qu'il arrive. Bref, merci à toi qui m'écoute là actuellement, qui voit ça. Merci d'avoir suivi ce Let's Play. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que 2h20 au secours. Mais au moins, tout le post-endgame est fait en une seule fois. Incroyable. Des bisous YouTube, à la prochaine. Merci de ton soutien. Prends soin de toi. Au revoir.